fait que passer sur cette terre. Ici, où le sable brûle sous le soleil, où les scorpions se faufilent dans tes bottes, où tes meilleurs amis sont un cheval et un colt. Allons, viens t'asseoir près du feu, prends un bol d'haricots rouges et écoute la fantastique épopée de Bidule, la femme au caillou qu'il l'appelait. Moi, je vais simplement te conter les aventures de Bidule. Sympa, l'image a frisé du coup. Alors attendez, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Étrange. Alors, ça va. Putain, j'avais encore le. C'est bon, ça repartit. Je ne sais pas pourquoi ça a frisé, ça arrive. Bon, c'est les petits aléas. Jex, est-ce que tu t'entends de parler, va? Bonsoir. Ça va ou pas? Alors, vous m'entendez bien, tout va bien? Je sais pas, vous m'entendez bien. Ah, plus Mortal Soda, dommage. Putain, KLSH21, pourquoi? Tu sais que les cheveux longs, c'est genre un truc porté notamment par les Vikings, la plupart des chevaliers au Moyen-Âge. Waouh! Dément! Ça n'a pas été trop. Et Arconia. Hein. Ça n'a pas été trop. Je pense qu'il y a des peintres hippies qui ont peint une chevalier merci comme ça. Merci Arconia. Trois mois de sub ultime. Putain, Arconia, je savais même pas que t'étais sub ultime. Du coup, merci à toi. Merci. Hop, c'est n'importe quoi. Va te faire enculer, va. N'importe merci, quoi, le pétasse. Quoi à zéro. Incroyable. Qui arrive au 7e mois, déjà. Tain, heureusement, ils savent pas, mais hier soir, sur mon pull pendant le live, j'avais ce t-shirt. Oh, merde, je l'ai dit. Ah, de son volume. Ah oui, mais de toute façon, faut qu'il se rapproche. De toute façon. Merci. Hop, c'est n'importe quoi. Va te faire enculer, va. Attends. N'importe quoi, le pétasse, va. Incroyable. Ça permet d'avoir. Mais moi j'étais heureux, ça, j'étais ça bien dans pas. Mon putain de paradis là. Beau générique 20. Merci. Le générique a été fait juste avant le live, mais c'est comme ça qu'on fait la plupart des génériques de toute façon. Enfin, on joue. Et c'est ça qui est mieux. Je connais Ex Anima de nom. Mais après, je. Enfin, si c'est bien ce que je pense. Peut-être que pas du tout en fait. Tiens, bonne année à ceux qui n'étaient pas là hier soir. Hein. Attends, non, je crois confondre avec Anima à mon avis. Qui est un jeu de rôle. Ex-Anima. Ex-Anima sur Steam. Alors non. Oui, si. Alors si, je connais, oui, c'est l'espèce de Dark Souls vu du dessus. Je ne sais pas ce qu'il vaut du coup. Et moi je parlais de Anima qui a rien à voir. Et c'est peut-être même Anima Ex d'ailleurs. Ah, Anima le jeu de rôle, le papier. Ouais. Et c'est Anima Ex, je crois que ça s'appelle. Donc d'où le twist. Et oui, Bidule, les gens. Ils sont forts, les dons. Ouais. C'est parce qu'on est revenu sur l'autre truc. En vrai, faudrait les baisser. Je vais baisser l'audio du bureau, tout simplement. Voilà. Pas trop la fatigue. Moi, ça va. Je me suis levé à 17h. Pas très bien dormi, mais voilà. J'ai dormi 4h. Jacques, c'est encore un peu faible. Ah bon okay. Après, j'ai pas parlé fort aussi à un moment donné. Enfin, j'ai parlé faiblement. Bon. Ça va ou pas, là? Ça va. Est-ce que vous m'entendez bien, là? Là, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va, tout va bien. 1, 2. Un, deux. J'adore. Le plus beau baiser des fictions de l'Octopus. Merde, il est trop bien. L'autre truc, tu parles de Dalphine, quoi. Même Dalphine, t'arrives pas à l'écrire. L'autre. Merveilleux. Quand tu as parlé de l'autre truc. La musique du générique, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui fais la musique, c'est moi qui fais les paroles et qui met ça sur un générique. Tu vas dessiner Jex en statue grecque. Quelle horreur. Quel très mauvais choix. Donc, la saison 2, vous le savez, n'a rien à voir avec la saison 1. Enfin, presque. Et donc voilà, ne vous attendez pas à ce que ça soit la même chose que la saison 1. Clairement, ça ne sera pas le cas. Je fonce au château de Gemma. Putain, faut pas que tu lises. J'ai ça. Pas lu, ça va, j'ai pas le texte, j'ai regardé les films. Sinon, je t'ai vu, j'ai regardé là-bas pendant tout le live. Oh non, je fais ça.
Parce qu'en fait, là, vous le voyez pas, mais là, j'ai une vue directe sur l'histoire. Hein. Je peux spoiler et tricher comme un bâtard. Hein. Mais spoiler rien du tout, parce qu'eux, ils savent déjà ce qui se passe. J'ai le pied qui gratte. Ça arrive. Gexo, j'en fous, le pavot. Ça fait mal. Ah, Neko, tu as raté le générique. Tu peux le revoir en relief dès maintenant sur Twitch, je pense. Au pire, tu l'auras à la fin. Le live va durer combien de temps environ? Je ne sais pas, mais pas plus de 2 heures. Et de toute façon, les lives aventures de Bidule, surtout les premiers, sont jamais très longs, puisque bah, c'est la base de gérer un univers, etc. Donc c'est un peu dur à faire très long. Combien de génocides va-t-on commettre ce soir? C'est beaucoup plus dur que dans la saison 1 de faire des génocides, je pense. Je sais pas. Vous savez sans doute pourquoi. Elle balance des cailloux. Jex, son nom se termine. Trop bien. Elle balance des cailloux, c'est ça? Je me suis spoilé, j'ai lu. Non. T'as raté le générique aussi. Xanima est vachement cool. Par contre, il y a des boobs, donc attention si tu fais le live dessus un jour. Putain, c'est super relou qu'on puisse pas faire. Enfin, qu'il fasse chier quand il y a des boobs, quoi. Est-ce que vous avez vu, ceux qui n'étaient pas là pour le premier live? Merci beaucoup. Dabnet! Putain. Merde, ce gif est trop bien, j'avais oublié que j'avais mis ça. Bonne année, Dabnet. Eh bien, nous allons commencer par dépenser les 50 euros dans l'achat d'une prostituée. Pendant l'heure, elle remplacera un joueur. En vrai, c'est pas du tout une bonne idée, mais imaginez, tu loues, je sais pas comment on dit, bref, une pute, mais pour un live des aventures de Bidule. Ça coûte cher, à mon avis. Ouais, mais, attends, là, les prix des prostituées, c'est genre 50 balles l'amour, donc tu fais au prorata, ça doit être, allez, 100 balles l'heure. Ouais, mais elle va être perdue, elle va être là, elle va rien comprendre, quoi. Ouais, mais c'est mieux que ce qu'elle fait en temps normal, je pense, pour elle. Ouais, mais bon. Non? Bon, en vrai, non, on fera pas ça, hein, voilà. Mais je trouve l'idée intéressante, je sais pas si c'est le bon mot. Ouais, oh, on sait bien que l'ulule du seuil de l'étrange, c'était pour les prostituées après, mais ouais. Bah en tout cas, Kevin, c'est incroyable, il était bien d'ailleurs. Le pauvre. Oh, Michif. Ça lui fera un peu de repos entre deux clients. Horrible. On va payer une pute et se moquer d'elle. Mais c'est pas pour se moquer d'elle, c'est pour avoir un nouveau joueur. L'idée est limite. Oh non. Non, ce mot est interdit. Je vais le ban dev des lives. C'était l'erreur. Je pense que tu cherchais le mot ludique et pas intéressant. Faute de frappe. En fait, c'est trop drôle, Devnet, que t'aies mis faute de frappe après avoir fait un don à 50 balles. C'était genre, oh non, je vais pas 50 euros, non. Ouais, Devnet, 50 euros, c'est pas les score girls, c'est 30 minutes maximum la nuit. On est plus sur du 400, sinon pour de la qualité, 1500. Tain, KLSH21, c'est notre Mac du jour. Moi, j'ai des escorts qui s'y connaissent en JDR. En vrai, je veux pas dire. Mais je suis sûr que je peux concevoir qu'il y a un service de vente de joueurs de JDR ou vente de MJ. Bah, MJ, en vrai, tu loues un MJ, genre 20 balles la soirée. Alors, MJ, je vois mes joueurs. Alors, en général, les joueurs, c'est pas difficile à trouver. Bah, les MJ, c'est déjà plus compliqué. J'en ai pas, hein, beaucoup. Mac ou bien juste Kyrie. Non, mais c'est ça. Parce que t'as pas les bons amis aussi. Voilà. C'est peut-être ça. Ouais, je sais pas. Hein. Oh non, c'était pas 150 balles que je voulais. Ah, mais 500, ouais, c'est vrai. Ah, bah, tu peux le refaire, hein, si tu ça. Du coup, c'était cool le live d'hier, même si Jacques était là. C'est vrai de dire même si. Je suis fatigué, j'ai pas la force de réagir. Putain, il regarde l'écran, il n'arrête pas de regarder l'écran. Ton téléphone portable. Ok, t'es banni jusque là-bas. C'est pas mieux de regarder mon téléphone. Tu regardes là-bas. Allez. Ça m'est pas, je regardais. Tu passes le live comme ça, c'est fini. Oui. Sur Roll20, t'as le droit de regarder l'écran. Hein. Juste là. T'as juste regardé le chat là. C'est Bah écoute mec, c'est toi qui regarde. Mais je regarde pas, je te dis. Si, t'as regardé mon téléphone. C'est pire, c'est personnel. Mais je sais pas, je me dis c'était peut-être important. Bah justement. Peut-être important, voilà, pour le live. Et bah oui, mais tu regardes pas les téléphones des gens, Jax. Nazi est cheater, putain. Même Max Sky est pas aussi putain. Crevons les yeux de Jax, ça lui apprendra. Alors mes chiffres proposent ça. Écoutez, prochain sub, resub, don. Je crève les yeux de Jex. Avec, en l'honneur de Mischief,
un stylet de tablette graphique. Un beau, en plus, un Wacom. Hein. Donc, un Tuos 3, c'est pas de la merde. Enfin, c'est pas de la merde. Si, maintenant, c'est de la merde. J'ai soufflé dans le micro, ça va après. En plus, il souffle dans le micro. Merde, j'ai déjà ça. C'est vrai, ça va se cox. On vote. Alors, Nekotika, j'ai pas de gros god, là, sûrement. Mais voilà. Tu peux l'ébouillanter avec son thé au préalable. Comment on fait pour faire ça? Alors, les dons, c'est juste en dessous, il y a un gros bouton avec moi qui balance des bifetons, et c'est ça. Soit les à s'abonner, je sais pas où c'est. Ça doit être au-dessus, là, par là, ou en dessous, là, par là, je sais pas. S'abonner, ça marche, mais... S'abonner, resub, don. Voilà, et crevage de yeux direct. 8. J'ai perdu la vue par insertion d'un god canette de coca dans les yeux. Ah, tu parles du... tu parles... Et pas les yeux. T'inquiète pas, ça fait pas mal. T'inquiète pas. Attends. Le fait qu'il crie à peine. Putain, même pour faire ça, il est mauvais, quoi. Incroyable. S'abonner, resub don ou beau compliment sur le chat. Je suis désolé, le son des dons, je le maîtrise pas là. Je sais pas pourquoi il est. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont boosté les sons des dons. Parce que déjà l'autre fois pendant le live, c'était Glabux le premier. C'était hyper fort. En vrai, je vais aller baisser le son de tout ça. Kit Star, tu as un beau pseudo. Et Kennedy qui disait qu'il serait capable de rater sa mort. Je pense, ouais. Alors attendez, je vais changer la artbox. Ah mais attendez, c'est la même que sur les... Ah je vais sûrement bailler pendant tout le live, hein, désolé. Hein, mais... Si baille, vous pouvez le ban def. Hein. J'ai dormi 4 heures. Hein, et... Parce que Maxime m'a dit, désolé, pas de matelas, tu dors à même le sol. Enfin, non pardon, j'ai droit au tapis par terre, hein, la moquette. Quoi. En plus c'est absolument faux. Voilà, super quoi. Hein. Vous savez que c'est faux, de toute façon les gens savent que c'est faux. Bon, je suis en train de descendre les sons des dons. Ça faisait quoi d'être la nouvelle Bidula? Je sais pas. C'est pareil que l'ancienne, quoi. C'est un peu bof. Enfin, je veux dire, c'est bien, hein. C'est bien. Quel connard. Putain, il y a trop de types de dons différents. C'est insupportable. Là, je suis même pas à 5 euros, quoi. C'est Masco qui dit c'est trop cool que ce soit Jex qui commence. Je sais pas pourquoi, en vrai, mais... Moi, je trouve ça horrible que ça soit lui. Ça va gâcher tout le reste, hein. Genre, je vais faire que des choix de merde qui va impacter, genre, vraiment toutes les parties, quoi. Genre, toute l'histoire. Tu niques tout le principe du jeu, quoi. Ah, je suis à 666. C'est... Ouais, c'est raison. Ça y est, j'arrive à 10 euros. Bon, ouais. Allez, j'arrête à 20. Voilà, après, j'estime que t'as fait un don de plus de 20 euros, c'est normal que ça fasse du bruit. Quitte à me percer les tympans. Ok, donc déjà... Ça, les dons, c'est réglé. Maintenant, les subs. Ça, les yeux bleus, on se demande pourquoi. De quoi? Jack, ça, les yeux... Curtis dit Jack, ça, les yeux bleus, on se demande pourquoi. Ouais. N'importe quoi. Ça, c'est vrai, ça. Ta-ta-ta... C'était Gérus qui dit... Derrière toi, il y a des crocodiles. Il n'y a pas que les yeux dans la vie, il y a les boules aussi. D'accord. Merci beaucoup pour que... 4,65, c'est trop bizarre comme chiffre. Ah bah attends, trop tôt. Quel connard, putain. Il gâche tout. Vous pouvez porter plainte contre lui. Hein. C'est trop drôle. Franchement, moi, ça me fait rire, en tout cas. Ouais. C'est bien, ça me booste un peu, tu vois. Ou alors, c'est j'utilise mon énergie, je sais pas. Est-ce que t'as de l'énergie? Dans 5 minutes, je vais m'endormir, tu veux que j'aurais trop rigolé de mes blagues. Il n'arrête pas de regarder l'écran, dites-moi. J'ai pas regardé. Mais tu viens de regarder là, à l'instant, si, tu viens de regarder. J'ai tout regardé toi, t'as dit regarde l'écran, et du coup ça m'a fait regarder parce que tu m'as dit. Ouais, c'est ça, ouais. C'est horrible. Putain, j'en connais un demain, il va pas aller très haut. Mais non, mais c'est exactement comme dans l'épisode que je citerai pas de Blackmore, que tu disais, ah, mais c'est obligé si on te dit que tu vas aller... Voilà, là c'est voilà, tu vois. Ah, en plus il fait du spoil Black Mirror saison 5. J'ai rien dit, genre le pire spoil du monde, c'est quand même ma chaîne qui dirait bien bien. Ça. Les gens, vous avez le droit de vous plaindre, je comprends rien. Tu peux prendre Nocturne et jeter au visage, te demande Starkey. C'est une bonne idée, Starkey.
Starkey, il a souvent des bonnes idées. Starkey, tu pars. Starkey, t'es un peu un des viewers de 2017 pour moi, alors qu'en vrai, je sais que tu remontes à il y a 1000 ans. Et ça me fait triste au cœur de me dire ça, parce que ça veut dire que je suis bête. Mais bon, ça, je pense qu'on sait. Genre, je t'insulte, Zach, si vous portez plainte contre diffamation. Ouais, c'est vrai. Pour diffamation, pardon. C'est qui, Zach Zach Bravel. Ah, en plus, c'est vrai que tu l'as insulté plusieurs fois. Bon, écoutez, je crois que ça va être bon pour les dons. Je ferme un peu les yeux, hein. Je me pose les paupières. Putain, tu fais une Kevin, là. Kevin, il fait ça. Il y a plein de fois où Kevin, il est genre. Je me repose les paupières. Ouais, je me repose, machin, et tout. Et tu vois clairement qu'il s'endort comme un gros connard. C'est trop bien, ça. Et bonne année, le Tizoun. De même. Quand j'étais petit, que je regardais la télé avec ma famille ou quoi, des fois je m'endormais sur la banquette et il me faisait genre tu dors, je faisais non, je dors pas. Ah putain. Comme tout le monde, Dax. Non. C'est vrai, Maïté Tsumasa. Il y en a, ils assument, ils disent ouais, c'est vrai, je me suis endormi. Ils sont bêtes. Forte quoi. Hop. Si jamais, parce que ça serait quand même vachement pratique, Tipeee Stream à Paris cherche un chef de projet junior, un stagiaire chef de projet et un développeur full stack PHP Symfony. Donc au cas où, faites-le parce que j'aimerais bien que ça marche mieux. Voilà, c'est plus pour moi, ça me servira de sub d'une certaine manière. Il y a des photos bizarres de gens sur internet, faut qu'ils arrêtent. Voilà, moi j'ai jamais dormi de ma vie, moi non plus. Tu l'attends depuis tellement longtemps. Ah, ça va tellement te décevoir parce que ça sera Jax. Bon, c'est bon, je me casse, hein, sinon on le fait pas, quoi, le live, tu le coupes et voilà. Putain, et en plus, il y a sérieux, encore regardé l'iPad. N'importe quoi. Mais je le regarde. Putain. Il a regardé, on est bien d'accord. Je sais même pas où il est, comment je veux qu'il te dise. Le vent que s'est pris Jake, c'est un peu le malaise. C'est trop bien de dire le malaise, maintenant. Maintenant, le malaise fait partie des trucs qui me font... C'est malaisant, aussi. C'était trop drôle, genre les gens qui disaient oh putain, Jax il crée que des situations awkward, genre je le fais pas exprès. On peut prendre sa place. Alors, bientôt, vous pourrez prendre la place de Jax quand vous voudrez pendant un live. Il faudra faire un don minimum qui aura été choisi en début de live. Du coup, je me demande, Jax, t'as utilisé les oreillers ou pas du tout? J'ai utilisé celui plié en deux et un petit. D'accord. Pourquoi? Mais parce que j'ai pensé au fait que je n'étais pas sorti. Ah oui. Mais du coup, je me suis dit, aussi bien, il n'a même pas utilisé. Je sais que je viens de regarder la tablette, dit Nico. N'importe quoi. Tu crois la première personne venue, quoi. Moi, j'y crois. Quelqu'un qui n'est jamais venu sur les lives avant, hein, en plus. Nico, c'est vrai, quoi. Ça, pour le coup, c'est pas une vieuse de 2016. Oui, 2016. Ah, 2015, peut-être bien. Ouais, il est peut-être fin d'année, alors. Utilisé. Je vois que Jacques a pensé à ne pas mettre de pull nul. Ouais. Ouais, il en avait essayé plein avant. Putain. Sérieusement, Zach. Le lien du film. Hier, on a regardé en plus les extraits les clips, les meilleurs peut-être clips. C'est pour ça, hein. Je me suis fait connaître avec Tomb Raider, mais je te suivais sur Xbox 3 ou 4 mois après ton premier live. Ah, la classe. Je lève mon verre à la nouvelle année au jeu d'acteur exceptionnel de Jax. Ça, c'est sûr que vous le verrez pas demain dans le Seuil de l'étrange. Hein, mais déjà parce que le Seuil de l'étrange ne sort pas demain. Mais clairement pas demain. Maxime Grand-Corbeau, oui. On peut pas faire autrement. Donc, j'ai une playlist de musique western. Quelqu'un qui a ressorti le clip d'hier avec Kevin. Ah oui, ça, c'est le meilleur passage à soi, d'ailleurs, effectivement. Mais tu peux dire que t'es en les boules pour Sylvebourg. Ça m'a foutu tellement partout, trop bien. Et Sophie était tellement focus sur la partie que du coup, en vrai, c'était trop bien ce jeu. Parce que il marchait très très bien en live quand même. C'était le gars celui-là qu'on faisait là déjà, Zach, ouais. Zach, c'est une très bonne question. Est-ce que tu as le droit d'être sur le live? Bah, non, parce que techniquement, t'es quand même une des personnes qui va venir. Et c'est sûr, parce que t'es tout prêt, t'as déjà joué à la saison 1. Tu vas encore cramer ma terrasse, donc non. En vrai, je serais toi, je resterai pas. Voilà. Mot de passe. C'était pas le mot de passe, du coup. C'était... Link. Et t'es rasid.
Bon bah écoutez, le live est annulé. C'était pas mal, j'ai bien aimé le moment où tu t'es tu pendant plus d'une minute. À quand la redite du live du Nouvel An? Faut que je la mette sur le... La, je sais pas. Ah, puis en plus c'est sur le PC portable. Mais si, c'était Gauss, il y a Pascal Penin sur le chat. Elle a dit bonsoir tout à l'heure. Quoi? Non, mais s'il dit, il y aura pas de modo du coup ce soir. Mais si. Si, puis il y a Missif qui faut ce modo. Et puis Zach et modo. Oui, mais s'il reste pas. Ah oui, s'il reste pas, mais oui, je suis. Il y aura Pascal, ça va. Je suis désolé, Zach. Même si en soi c'est positif, si tu vas jouer. On vient de perdre 50 viewers à cause de la blague à Jax, ouais. Blague 2, Jax. On ne dit pas fils à pute. Jax, c'est incroyable. Quand on se lève sur un rediff, je t'apporterai la preuve qu'il a regardé la tablette. Et puis entre nous, c'est moi. C'est moi, pas la première pec du coin. Bah oui. Mais bon, après, il y a un twist. La tablette est éteinte. Voilà, donc. Ouais, mais même si, regarde. Tu viens sur le stream maximum avec 10% de batterie. 10% de batterie, c'est chaud quand même. Il y a 90% de chances que vous ayez pas la. Ça que ça coule. Ah, un des premiers commentaires du Christ d'ailleurs est: j'ai que sa poêle, j'arrive. Qui se dit ça, quoi? De toute façon, je dois t'envoyer un message dans la semaine. Avec plaisir, Zach. Le message, c'est: Maxime, j'ai pas du tout aimé ton comportement pendant ton âge de soi de l'étrange. J'estime que tu m'as violenté et je n'ai pas aimé les attouchements que tu m'as fait sur mon kiki. C'est ça, Zach? Ça se dit pas, fils à pute? Non, dit à dame payée pour venir faire des lives de bidule à 100€ de l'heure. C'est vrai. N'empêche que... Putain, Jex, coupe ton micro quand tu... Je peux pas. En fait, je me fais même pas de bruit. Si. Hashtag balance ton masque. Et oui. Mais je lui ai pas... Enfin, ça va, j'étais gentil avec lui. Pendant les lives de bidule, uniquement dessin et montage. Ah oui, d'accord. J'étais en train de me dire que disait... Mais c'est vrai, en fait. Et effectivement, comme le dit Pascal, elle ne s'occupera pas de mettre toutes les images, etc. Rigolote, machin, ça retire du fun. Ouais, mais sinon, c'est le bordel. Après, ça interrompt à chaque fois. Ça fait le bruit et tout. C'est lourd. D'ailleurs, le logo est vraiment cool. J'aime toujours bien. Ouais, ça va. J'aime bien ce que j'ai fait. Tu es bite, maintenant. Musique, non, saison 2, ambiance. Boum, on va tout mettre. C'est qui déjà ce qu'il a fait? C'est ta pote. C'est ta pote Cécile, c'est ça? Oui, c'est Beat. Jax qui danse, quoi. Les gens, vous pouvez... Oh mon dieu. Je me cache. J'ai honte. J'ai honte de ma blague cette fois. C'est même pas une blague, c'est pas. Où est-ce que j'ai trouvé mon Jax? Dans un égout à Marseille. Et je sais qui tu peux remercier. Hein. Qui? Deux anciens modos. Oui, c'est vrai. Très vieux. Ah oui, voilà. Je crois qu'on va vous laisser. Mais ouais, que quelqu'un nous en chatte. Finalement, je suis content de parler ce soir. Non, mais c'est bon, j'en ai déjà subi assez de colibés hein, hier soir. Voilà. De colibés, c'est même pas les mots. J'aimerais être considéré en tant que tel. Ah, tu peux pas comprendre. Les gens comprendront. Mais toi, t'es trop bête. Tu parles d'un truc de Camelot, ouais. Là, de Camelot. Ouais. Ouais. C'est illégal, je le rappelle. Ouais. Ouais. Alors. Et c'est bon. On y est. Si vous avez aimé ma référence, n'hésitez pas à faire un don. Oh, vous avez tellement bien écouté. Bon, nous allons démarrer cette partie dans 2 minutes. Comme d'habitude, on attend toujours une demi-heure avant de commencer. Voilà. C'est quoi l'entretien d'embauche des modos? J'avoue que je sais pas ce que c'est, parce que franchement, si Jack s'est passé... Non, en vrai, peut-être qu'on remettra un modo, mais ça serait un modo de nuit. Parce qu'en gros, c'est le moment où il y en a le moins, quand même. Donc, c'est possible que dans l'année, il y ait un modo en plus de nuit.
La partie durera combien de temps? Je ne sais pas, on verra. Comme d'habitude, je pense une heure et demie. Putain, l'entretien se passe sous le bureau de Maskim. Je sais que s'il dit rien, qu'il regarde le vide, je veux pas dire, mais c'est très vraisemblable. Jex veut être considéré en tant que... Pourquoi? J'ai aimé la référence de Jex. Donc, slash ban Kalias FR. Et je rappelle que, rassure-moi, un nouveau logo prévu pour les 7 mois. Pour les 7 mois, non. Ah non, les nouveaux logos, c'est un an. Ouais, ouais. C'est trop chiant, mais c'est comme ça. C'est Twitch hein, qui décide. Et attendez, il y a pire. C'est qu'après, c'est 2 ans. Mais après, celui de 2 ans, il est trop beau. Ça va faire long, quoi. Mais du coup, là, vous passerez en argent et après or. Mais ouais, j'aimerais. Moi, je trouve que c'est con parce que tous les 6 mois, ça serait cool en fait. Et que tu puisses en mettre. Ouais. Enfin, garder celui des 3 mois parce que c'est le début donc. Voilà. Mais là, ouais. Ouais, c'est vrai que tous les 6 mois après, ce serait cool. Hein. Mais bon, vous inquiétez pas, il y aura toujours un nouveau son tous les nouveaux mois donc voilà. Enfin, le fameux logo. Toujours pas. Mais par contre, peut-être que. Enfin, je vais voir et changer. Des badges, peut-être un peu. Enfin, là, je les aime bien tels quels, mais en fait, je trouve que celui argent, enfin, celui bronze, c'est pas si ouf par rapport à celui d'après, en fait. Donc, on verra peut-être c'est que. C'est le but, non ? Ouais, c'est oui, ouais, je sais pas. Ouais, mais est-ce qu'il est. Je sais pas, enfin. Titanium, ouais. T'as reçu le mail ou pas ? J'avoue que j'ai pas regardé mes mails du tout aujourd'hui, donc peut-être. Enfin le fameux. Sinon on fait comme MV ou Zera, un mois égale un an. Oui, c'est vrai. Me revoilà avec de la bûche. Ah, de la bûche, j'ai lu de la bouche. Sale. Très bien. Bon. Ne regarde pas l'écran du coup. Je vais faire un sondage. Ok, je me repose les yeux alors. Je pense que je vais pas m'endormir. Le Maxime va me faire des trucs bizarres. En plein live. Ah. Votez les gens. Tac. Et le sondage en fait c'est est-ce que je dois frapper Jex pendant qu'il ne regarde pas l'écran? C'est ça. Ah, horrible quoi. Intéressant comme vote. Je pensais pas que vous auriez voté ça. Ah ouais. Vraiment, j'ai une technique pour voir même les yeux fermés. Mmh, ça te gâche la partie du coup. Je vois à travers mes paupières. Ça doit être horrible. Non, j'ai une technique, il faut que tu... Bon allez, 5, 4, 3, 2, 1... J'ouvrais. Très bien les gens. Genre pour activer, il faut que je dise... J'aime les saucisses grillées. Merde, j'ai coupé le, voilà. J'ai coupé la page des... Ah oui, il y a des gros flash, là. C'est bon. Deuxième flash. C'est bon. Très bien. Je peux regarder. Tu peux ouvrir les yeux. Putain, Jax. Bon, regarde. Allez. Putain. C'est parti. La musique est super cool du Outsider. Ne regarde plus le chat. Ah, plus du tout. Bah non. Ah, tu peux plus. C'est ça le truc. Ah oui, bah oui, comme avant. Ouais. Donc,
tu ouvres les yeux. Parce que tu es réveillé et tu te rends compte que tu ne te rappelles pas de qui tu es, de ce que tu dois faire, de où t'étais, de quoi que ce soit. Tu te rends compte que tu te souviens, bah oui, tu sais parler, tu sais respirer, tu sais comment faire à manger, tu sais comment faire tout ça. Je vais baisser le son, attendez les gens. Hop. Voilà. Et en dehors de ça, tu ne te souviens de plus rien. Tu regardes, tes vêtements, c'est juste des vêtements de base. Donc, comment ça s'appelle ? Donc, déjà, t'es une meuf. Ouais. Précise quand même. T'as juste un t-shirt blanc de base. Et, on va dire un jean de base. Pareil, mais pas super propre, pas clean, machin. Ok. Et tu te rends compte, à tes pieds, c'est du sable. Mais tu te rends compte que t'es sur une sorte de petit îlot de sable. Et de, 5 mètres sur 5 mètres. Ouais. Et en fait. Tout autour de toi, il y a genre des étoiles, etc., mais qui englobent tout. Et en fait, il y a plein de petits îlots comme ça, avec du sable. Des fois, il y a un petit cactus. Des fois, il y a, je sais pas, un virevoltant. Il y a d'autres personnes ? Pour l'instant, non. Tout ce que tu vois, c'est ça. Et à ta droite, tu vois que effectivement, il y a un caillou à peu près de cette taille-là, d'accord ? Ouais. À peu près comme ça. Et d'un coup. Tu vois, t'entends quelqu'un qui te parle sur le côté en faisant Audi. Donc tu te retournes, je suppose. Ouais, il y a quelqu'un ? Ouais, il y a quelqu'un, c'est un cow-boy. Donc plutôt classe, habillé tout en noir. Donc vraiment un par-dessus noir, avec en dessous une chemise noire, avec un boléro noir. Il doit avoir une petite cravate noire, on va dire. Hop. Des flingues noires et tout, un putain de jean noir trop classe, machin. Et par contre, il y a un putain de beau chapeau noir aussi, mais sa tête, c'est une tête de corbeau. Genre à taille humaine, tu vois, mais une putain de tête de corbeau. Ah. Et du coup, il fait bon. Ça va être encore compliqué cette affaire. Déjà, tu t'appelles Bidule. D'accord, c'est le truc le plus important. Vous êtes qui ? Je suis le grand corbeau, c'est peu importe, d'accord ? Tout ce que tu dois retenir, c'est que tu t'appelles Bidule. Et là, pour l'instant, on t'a pas encore envoyé dans... Merci. Hop. C'est n'importe quoi ! Va te faire enculer, va ! Merci n'importe beaucoup, quoi, exterminate. Pétasse, va. Incroyable. Du coup, là, pour l'instant, on est dans cette dimension, parce que on va dire que t'as encore chié dans l'école, hein. Mais bon, bref, peu importe. Là, tu vas recommencer. D'accord, à zéro. Mais recommencer quoi ? Tu vas recommencer une aventure à zéro, d'accord, dans cet univers. Là, tout de suite, on va bientôt y aller. Tu vas bientôt te réveiller dans le vrai monde. Mais pour l'instant, t'es ici parce que je dois t'expliquer deux, trois trucs. D'accord ? Ok. Donc déjà, le caillou qui est là, c'est ton meilleur ami. D'accord ? C'était un dodo. Et maintenant, il a été transformé en pierre. Et du coup, il va falloir que tu fasses toute une aventure pour... essayer de changer ça, d'accord ? Il bouge ? Là, non, c'est un caillou. Par contre, il y a plusieurs trucs assez importants. T'as un pouvoir. Ça, c'est très important. Tu peux parler aux cailloux. Tous les cailloux. C'est une blague ? Non, tu peux vraiment parler aux cailloux. C'est ton pouvoir. Bonjour ? Et donc là, il y a le caillou qui répond. C'est un dodo. Il parle comme ça, quoi. Mais voilà. Et le plus important, c'est donc ton but, d'accord ? C'est de faire un rituel pour retransformer ton caillou en dodo. Mmh. D'accord ? Pour ça, il va falloir que tu retrouves les 7 cailloux sacrés dans la vallée des Virevoltants et les amener au temple de Golrak. D'accord ? Ok. T'as bien retenu ça ? Les 7 cailloux dans... les 7 cailloux ? Dans la vallée... Dans la vallée Virevoltante ? Non, des Virevoltants. Des Virevoltants jusqu'au temple de Golrak. Voilà, pour faire le rituel, ok ? Oui. D'accord ? Et tiens, il y a ça aussi, n'oublie pas. Et là, il tend un revolver. Donc ça, c'est ton revolver, il s'appelle Needle. D'accord ? Needle ? Needle. Ouais. C'est un mot anglais, tu connais l'anglais ? Tu es quand même dans un monde anglais. Ça veut dire... tu sauras ce que ça veut dire un jour, peut-être. En anglais. Du coup, c'est pareil, c'est très particulier comme arme, d'accord ? Donc, tu lanceras un dé de 6
à chaque fois, enfin ça lancera un D6, t'as six possibilités, vrai. D'accord. Un pari D6, c'est ça. Voilà, 1, ça fait rien, donc fais gaffe. 2, ça tire une balle qui invoque un objet aléatoire. 3, ça touche tout sauf la cible. D'accord. J'ai moins compris. Bah non, mais ça touche tout sauf la cible, ça peut toucher n'importe quoi sauf la cible. Ah d'accord, c'est genre tout. 4, ça tire un bébé corbeau. C'est nul. 5, c'est le vote du public. Et 6, ça touche la cible. D'accord. Ouais. Donc, il est vachement puissant, mais fais attention. Attends, fais, c'est pas, je choisis pas en même temps. Ouais, mais tu fais attention, je te le dis. Ensuite, on va dire que t'es pas toute seule dans ce monde à pouvoir faire des choses. C'est pas, enfin, crois pas que t'es genre tranquille dans un monde où il se passe rien. Il y a des forces sombres qui vont s'agiter contre toi. Genre, notamment, une force sombre en particulier qui va certainement t'en vouloir et faire de la merde, etc. par rapport à toi. Ok. Donc voilà, c'est prévenu, d'accord ? D'accord. Bon, bah écoute, tout ça c'est fort bien, hein ? Moi je vais retourner un petit peu là-bas, la prochaine fois qu'on se verra, Où ça ? Ah oui, au fait, tu perds la mémoire sans arrêt. Ça, c'est peut-être un petit truc que j'aurais dû te dire. Mais c'est nul. Ouais, c'est chiant, mais tu perds la mémoire sans arrêt. Donc bref, tout ça pour te dire que certainement la prochaine fois que tu reverras, tu te souviendras pas de moi et que ce sera plus tard. Et je peux pas faire un rituel pour annuler ça plutôt ? C'est vrai que ça serait une bonne idée. Bon, à bientôt. Et là, ça, tu te réveilles, hop, t'ouvres les yeux et t'es dans le désert. T'as ta pierre toujours, t'as la pierre dans la main par contre. Elle est lourde. Relativement, ça va. Elle est pas méga lourde. D'accord. Et autour de toi, c'est une sorte de forêt de cactus. Et t'es au milieu de nulle part. Ok. Et t'es toujours habillé pareil. T'as toujours le revolver. Il y a quelque chose à l'horizon. Enfin, autour de moi, il y a quelque chose à l'horizon. Pour l'instant, tu voles des cactus. Faudrait que tu marches. Il y a vraiment rien. Genre, c'est l'horizon plat, quoi. C'est pas que c'est l'horizon plat, tu vois que des cactus. Ah. Tu sais, les cactus, ça fait pas cette taille-là. Oui, je sais, c'est grand. Ouais, mais bon, je veux dire, les cactus. Ah, c'est une forêt de cactus. Ah, une forêt, ouais, d'accord. Ah, mais du coup, je peux pas passer à travers. Ah, si, tu peux. Faut faire attention. Et y a qu'une forêt que je peux pas. Ouais. Y a moins de faire le tour ? Bah, marche devant et puis tu fais rien. Bon, bah, j'y vais. Enfin, je m'approche doucement d'abord pour essayer de revoir un peu à travers. Enfin, si on peut voir. Tu suis un point ou t'avances comme ça au hasard ? Bah, je sais pas, y a quelque chose de notifiable. Le soleil. Ouais, et il est où ? Bah, il est dans le ciel. Ouais, mais à quel endroit ? Au-dessus ? Genre, vers du coup l'est. Ah, j'essaie d'aller vers le sud. D'accord, tu suis le sud. Ouais. Ok, très bien. Du coup, tu marches tranquillement en essayant d'éviter plus ou moins les différents cactus, etc. Et au loin, tu peux voir quand même justement une fumée un petit peu plus loin, donc qui sont pas si loin que ça. Bah, je vais y aller. Hein. Tu vas aller là-bas. Pas grand chose d'autre, non ? De ce que tu vois, non, pas spécialement. On va aller voir s'il y a quelqu'un. Hein. Très bien. Deux secondes, je vais faire un sondage. Tu peux regarder, hein, de toute façon, au pire, c'est. Quoi que non, en fait. Ah. Parce que du coup, je dois dire un truc spécial. Désolé. Sur mon téléphone. Bouge-toi les oreilles deux secondes. Le vieux à poil s'appelle comment ? Proposez-moi des noms et des prénoms, s'il vous plaît. Pour le vieux à poil qui est censé être un allié. Un vieux tout nu. Voilà, proposez-moi des noms. C'est bon. C'est bon ? Ouais. Ok. Je faisais du bruit pour pas. Pour pas entendre, du coup. Jax meurt, oui ou oui ? Oh non ! Dans le jeu ? Alors attendez, c'en est un autre. Le personnage que vous proposez, c'est autre chose. Regarde le chat là. Putain. Non.
Je lis vos messages, ne vous inquiétez pas. C'est pas mal ça. Ouais. Enfin, je veux dire. Non. Putain. Pourquoi tu peux dire ouais alors qu'il y a une liste ininterrompue. C'est bon, les gens. Vous pouvez voter. Non, la police est vraiment dégueulasse de ce truc-là, je vais changer. Ouais, j'ai regardé du coup. Mais putain, mais non, mais. Ah. Merci, Silverstaff. C'est un c'est quoi? C'est un reset. Genre, oui, je m'en souviens. Ah, mais oui, je m'en souvenais même plus. De ce. Don. Sub. Ah, on va mettre ça, ce sera pas mal. Tac. Y'a pas vraiment de truc qui correspond à l'ambiance western en même temps. Peut-être ça. Ouais, bof. Hein. Les gens, vous avez vraiment voté pour ça? N'oubliez pas que vous pouvez voter pour plusieurs, si vous le souhaitez. Et que les subs, votre vote compte double. Bon, là, ça va être très dur que le numéro 1... Ah, quoique le numéro 1 peut rattraper le numéro 2. Hein. Mais là, pour l'instant, c'est pas ça. Hein. Le problème de la BO de Firefly, c'est que ce n'est pas libre de droit. Et si on veut rediffuser sur YouTube, bah... Et même sur Twitch, hein, ça coupe après. Ah, ça peut couper, ouais. Ça coupe des parties... What the fuck, ce retournement. Le 1 va rattraper le 2. Non. Attendez, on est tout prêt là. Peut-être les gens qui ont voté 2 au début se sont dit bon allez pour faire plaisir à Maxime, on va non, voter. Non, non, mais attends, là j'ai hâte de voir parce que là c'est vraiment serré quoi. Genre c'est à 3. Ah, 2 votes. What, ça y est, c'est dépassé. Putain, 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 putain de ouf. Eh franchement, bravo. C'est bon, tu l'as enlevé? Ouais. Très bien, bah c'est noté. Je peux pas faire un second vote, les gens. On va pas en faire sans arrêt des second votes. Ok, je note. Après, je vais m'endormir, hein, si on fait trop de votes. C'est pas... Jax fait semblant de connaître la musique alors qu'il les connaît pas. Je connais ça. Je vais regarder avec. Ok. Vous êtes prêts? Tac. Pas pour... Mais j'ai pas fait exprès, j'ai... Ouais, regardé ton écran comme ça et... Ouais, faut regarder aucun des écrans. Du coup, c'est parti, donc tu marches, tu continues à marcher dans la forêt de cactus et ouais. Enfin tu arrives à en sortir, bon, non sans mal, hein, tu as quelques éraflures de cactus, mm-hmm. Et tu arrives donc au loin, tu vois effectivement quelqu'un qui est en train de faire un feu un peu plus loin, vraisemblablement. Et il est comment? Il est un peu... tu vois pas quelqu'un... Tu vois pas quelqu'un, tu vois qu'il y a quelqu'un qui a fait un feu. Et il y a un feu, d'accord. Avec des affaires, etc. Faudrait que tu t'approches. Bah, je m'approche. Mais attendez, musique justement. Trop forte. Au cas où. Attends, hop. Voilà, c'est bon. Je m'approche et je garde la main sur mon arme au cas où. Ouais. Très bien. Donc, t'approches, tu vois qu'il y a effectivement un feu de camp, il y a des affaires, quelqu'un qui a vraisemblablement dormi là. Tu sais pas depuis quand, tu sais pas, voilà. Mais c'est vraisemblable. Ouais, il y a personne donc. Bah là tout de suite tu vois personne. Il y a des affaires qui sont assez, non? Bah ouais, il y a des affaires, ouais. Ah, je vois aux alentours, y a rien? Pour l'instant, non. Bah écoute, je vais fouiller, je pense. Ouais, alors c'est possible que Jex parle pas assez fort. Ah, pardon. En fait, c'est dur de te regarder et après de parler près du micro, parce que du coup faut que je fasse ça, mais après on me voit plus, tu vois. Plus fort en fait, surtout, de base. Ouais, pardon, c'est la fatigue. Donc, tu faisais quoi, excuse-moi? C'est quoi? Il y a quel type d'affaires, hein? Bah, faut que tu regardes, faut que tu... Ouais. Il y a rien de... Non. Bah, je vais regarder son sac, quoi. Ouais, très bien. Tu arrives, et est-ce que ça va le son, au fait, ou pas? Dites-moi, hein. Tu arrives, tu te penches un peu sur les affaires, et tu vois, effectivement, que tu peux ouvrir un sac. Bah, ouais, j'ouvre. Tu l'ouvres et derrière toi, t'entends... Donc il y a quelqu'un qui est en train de te... Enfin, vraisemblablement, quelqu'un qui vient de charger son flingue. Trop fort mon son, d'accord. Ok, c'est bon là, c'est mieux? Dites-le moi. Hein. Très bien, donc t'entends... Et ça fait... Écoute, tu te retournes surtout pas.
Tu lèves les bras en l'air. Je lève les bras, je fais... Non, tu jettes cette pierre que t'as dans la main et tu jettes ce flingue que t'as dans ton autre main. Je peux pas, c'est mon ami. La pierre. Quoi? C'est un peu compliqué, mais je vous fais pas de mal. Je veux bien poser mon arme, mais la pierre, je veux pas la perdre. Attends, t'es en train de me dire que t'es pote avec une pierre? Bah, écoutez, si vous voulez, je peux poser mon arme, je garde la... J'ai un sac? Non, j'ai rien. Je garde la pierre, et ou alors je la garde, je la pose mais à côté de moi, quoi. Je m'en éloigne pas. Et je vous raconte tout ça autour de votre ancien feu de camp. C'est pas mon ancien feu de camp, c'est mon actuel feu de camp, c'est un beau feu de camp, je l'ai fait moi-même et c'est mon préféré. Écoutez, vous savez, moi je m'y connais pas trop, donc... Effectivement, tu t'en y connais pas trop, puisque du coup, tes amis, c'est les pierres, donc tu dois vraiment être pas cool comme mec, comme meuf. Bon, écoute, je vais compter jusqu'à 3, tu vas juste poser délicatement la pierre à tes pieds. Ah, là, ça va. D'accord. 1, 2... Mais fais-le, sinon je vais te dire 3, voilà. Et je la fais. D'accord. Je la pose délicatement. Très bien. Et l'arme aussi, du coup, s'il m'avait dit. Tu peux te retourner maintenant. Ouais, je me retourne. Et là, tu vois un vieux avec une grosse barbe. Quand... Trop drôle, ils t'ont dessiné. Ouais. C'est la dame qui t'a dessiné. Du coup, tu vois un vieux avec une grosse barbe blanche, vraiment hirsute comme ça, qui sort. Un petit chapeau, un petit chapeau de cow-boy comme ça. Et vraiment des gros sourcils blancs et tout. Des petites lunettes. Et par contre, il a que ça. Alors, il est vraiment à poil total. Et il a un fusil comme ça. Un fusil avec un putain de tromblon, quoi, tu vois le truc. Ah ouais, d'accord. D'accord, et... Ça te fait de l'effet, ma cocotte. Votre arme? Non, mais de voir un corps comme ça d'Apollon. Bon, vous savez... Là, j'ai des idées en tête pour l'instant, hein. Genre, je suis un peu paumé et tout ça. Je suis désolé. Asseyez-vous et puis on va manger, va. Merci, Je m'appelle McMuerte. Forcément. Je m'appelle Bidule. C'est un nom pourrave. Bon, vous voulez quoi à manger? J'adore le Bidule lesbienne. Je pense que elle, si elle a pas envie de baiser un vieux à poil, ça... je pense pas forcément qu'elle soit lesbienne. De base. Du coup. Je sais pas, vous avez quoi? Alors, j'ai une boîte de ça. Il appuie dessus, etc. Et ça sort une sorte de truc un peu visqueux, dégueulasse, qui fait bouillir dans sa tambouille, etc. Alors, McMurto. Quelle est la taille de la top du vieux? C'est une bonne question. Il a un bon gros mandrin. Quand même, c'est assez impressionnant. Non. Il a une bonne tonne. Ça lui arrive au genou. Bon, il n'a pas des grandes jambes, mais voilà. Alors, du coup, il est en train de t'embrouiller la soupe. Tu vois que cette aube, elle tape un peu sur la marmite de temps en temps. Il fait « Ah !» C'est con. Cette aube qui se brûle un peu la tête. Du coup, tiens, tends tes mains. Mais c'est quoi cette tenture lupinage? Merci beaucoup, Civix. Tiens, tends tes mains. Vous n'avez pas des bols? Ben, c'est bien de manger avec ses mains. C'est pas chaud, hein, t'inquiète. T'inquiète, regarde, mets tes mains. Ouais, je mets mes mains. C'est brûlant. Je fais... Par réflexe, je fais... Ah, il tombe, il a des espèces de trucs visqueux et ça se colle à ses poils. Ah, retire, Vite, prends le truc d'eau. Vite, sur moi. Je prends le premier truc qui vient. Ouais. Et tu joues. Ah, mais c'est... T'as bien vu que c'était mon seau! À caca et à pipi! Si tu vois, il est brûlé, il est plein de merde et de pisse, etc. Bah oui, il y a un autre truc d'eau. Du coup, je prends et je le jette. Il commence à pleurer et tout, et tu vois, il est vraiment en train de pleurer. Il y a des cailloux autour du feu de camp? Du coup, il y a des cailloux. Hein. Bah, il y a le tien déjà. Mais non, mais bien, ça oui. Du coup vous allez bien? Non, je vais pas bien, on va jeter de la bouillabaisse brûlante sur la gueule. Enfin, de la bouillabaisse, j'ai rien. On a un Marseille en fait, c'est ça. Tu
m'a acheté de la comment ça s'appelle, molasses, je sais plus c'est quoi le nom en français, de la molasse, ouais, ça. De la molasse bouillant sur la gueule et je vais après asperger mes propres selles. Mais j'avais cru que c'était de l'eau. Qui croit que c'est de l'eau? Mais j'ai pas regardé. Mais oui, mais pourquoi tu regardes pas? Tu m'as vu, je croyais qu'il y avait qu'un seau. Mais si c'était de l'essence et que j'étais en feu. C'est vrai que ça existe peut-être pas encore les choses. Pétrole, mais... Pétrole, voilà. Donc quand même. Mais pourquoi vous seriez en feu? Mais attends, prends la serviette là et puis nettoie-moi un peu, j'ai brûlé tout. Je prends la serviette, je l'hygiène. Non, mais je vais pas, frotte un peu. Je peux pas, désolé. Mais si. Faut que je m'occupe des cailloux. Quoi? Vous savez, vos cailloux sont vivants. Quoi? Attendez, je vais leur demander quelque chose. Ouais. Alors, genre... Bonjour. Et donc... Je comprends pas. C'est comme ça. Tu vois qu'ils discutent entre eux. Bonjour. Je parle pour les autres. D'accord. C'est moi. Donc tu vois que c'est le plus gros caillou. Vous pouvez me dire quoi sur McMoerté? McMoerté, c'est le vieux qui est à côté. Et il a fait quoi avant que j'arrive, par exemple? Il a rempli le seau que tu viens de vider. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans son sac? Vu que je l'ai pas ouvert. Non, on n'a pas regardé, on était occupé. Putain. On joue au Scrap le caillou. Scrap de caillou. Scrap de caillou, on joue avec des petites. Enfin bref. Il y a vos cailloux qui jouent au Scrap. Tu dis ça à ma place. Oui. Mais quoi? Nettoie-moi. Mais je peux pas. Si. Avec tes mains, tu me frottes. Allez. Oh non. Bah. Faut bien, hein. J'ai su le torse, ouais. Vite fait. Tu vas. Tu sens clairement qu'il aime bien. Ah. Genre, tu vois un petit peu, il a le téton qui pointe. Ah non. Un peu plus par là. Non, ça suffit là, c'est bon. Ah mais si, regarde. Mais je brûle les mains moi aussi. Non, mais non, t'as pas les mains brûlées. Ah oui, c'est un peu. Enfin, ébouillanté plutôt. Ébouillanté vite brûlée. Fait, ouais, voilà. Ouais, oh. Les gens te disent, tire-lui une balle, bref. Écoute, t'as été gentil avec moi, t'as fait un peu de la merde, mais. Je veux bien t'aider. Qu'est-ce que tu veux? Parce que je vois que t'as pas grand-chose. Enfin, c'est pas comme si t'étais plein de trucs non plus, mais... je vois que t'as pas grand-chose. Vous savez s'il y a un village pas loin? Il y a bien un village pas loin, oui. Et il est où? Alors... Regarde, viens avec moi. Tu vois là-bas, la montagne? C'est quoi une montagne? Il y a une montagne, là. Tu vois la montagne, bon? Ouais. Juste à gauche. Est-ce que tu vois l'espèce de... Tu vois le petit truc qui dépasse là? Ouais. Ouais. Eh ben c'est pas du tout par là, c'est ça, juste là-bas, à 2 km. Mais c'était beau. Parce que le petit truc qui dépasse, que tu vois, c'est un grand arbre. Dans le désert? Oui. D'accord. Voilà. C'était une information comme une autre. Ouais. À bientôt. À bientôt. Est-ce que vous auriez peut-être une petite gourde d'eau au cas où? Ben j'avais une bassine complète d'eau. Mais... Et tu me l'as vidé dessus. Bah sinon, vous avez qu'à couper un cactus. Bah oui, t'es vas-y. J'ai pas d'équipement. Bah oui, bah fallait se démerder avant. Bon allez, comme t'es gentil, ting, il te balance un dollar. Donc tu reçois un dollar, une pièce d'un dollar. J'attrape et... Voilà, il fait, allez. J'ai des poches, hein. Maintenant, non, t'as pas de poche. Même dans le pantalon. Bah tu peux coincer ça dans ton truc de flingue. Mais t'as pas de poche. Merde, c'est nul. Bah les jeans, il y avait pas de poches. Pourtant, ouais. Pas tout de suite. Hein. Il est pas un peu con, lui. Ah, il est comme ça. Du coup, que fais-tu? Bah, je vais suivre la direction et aller par là-bas. Ouais, d'accord, très bien. Donc. Et je dis bah, au revoir, merci. Ouais. Et prenez soin de vos cailloux. Hein. Au revoir. Moi, je récupère mon caillou. C'est la pierre qui te disait. Je récupère. Il m'a dit le nom? Non, il t'a pas donné le nom. Tu peux lui donner un nom si tu veux. Hein? Bah, je récupère mon caillou que je vais appeler. En goulou, ça fait combien? Une pièce d'un dollar. Eh oui, l'aventure est casanier. Je vais l'appeler Rocky. Rocky, d'accord, très bien. Et je prends mon flingue. D'accord. Du coup, je m'en vais. Très bien. Du coup, tu marches un petit peu. Et quand? 2 secondes, je vais demander aux gens. D'accord. Ceux que tu crois croiser. Est-ce que vous êtes prêts, les gens? Alors. C'est de la merde.
Oh non. Votez les gens. Je pense que tout le monde le voit, le reflet. T'en es par contre. Du quoi? Quand c'était sur ton crâne, il y a un reflet. Non. Intéressant. Logique que vous vous luttiez pour ça, les gens. Vous avez raison. Là, je charge mon téléphone. On va partir. Non. Ah. Ouais. Merde, c'est trop bien, en vrai. Attends, tu peux pas le passer sur le chat Je sais pas s'il y a ton pseudo... Quand t'as reçu un mail ou un tweet. Ouais, mais il est trop bien, en vrai. Putain, c'est... Bah, je vais dire Francky, hein, parce que, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais c'était trop bien, non. C'est vraiment trop bien. Je peux pas regarder. Non. Bah, si, enfin, si, attends. Bah, je vais essayer de montrer un peu, mais bon. Attends, c'est parce qu'il y a le... Donc, j'ai bien retenu, hein, vous avez voté 4. Ah, c'est la transformation. Ouais, c'est trop bien. Je sais pas si vous pouvez voir sur le chat, mais... C'est trop bien, Francky, ce que t'as fait. Il est trop cool. Et c'est fait sur 3DS, du coup. Ah bon? Ouais, ouais. Putain. Mais c'est sur quoi que t'as fait ça, sur 3DS? C'est top, en vrai. C'est un truc ultra chiant. Bah ouais. Putain. C'est cool. Bref. Trop cool. Donc, c'est moi, Francky. C'est toi, Treux. D'accord. J'ai mis un Imgur qui a dû passer inaperçu. Ah, bah, désolé, c'est, ça arrive, hein. N'hésite pas à citer Pascal dedans pour qu'elle puisse bien le voir. Bref, vraiment très cool, truc. Pixel Maker, un petit prog. Franchement, c'est top. Bref, on reprend. Du coup, tu marches tranquillement. Mm-hmm. Et sur le chemin, tu vois quand même, sur ta droite, un mec qui est vraisemblablement en train de s'affairer avec un truc, etc. Je vois plus quoi, il est de dos, je vois pas. Ouais, il est de dos, machin, il est en train de faire un truc. Ok. Bah, je dégaine mon arme. Ah, c'est pas ouf. Vas-y. Oui. J'ai pas dit que j'allais agresser. Mm. Je fais. Oh là! Qu'est-ce que vous faites? Si! Bonjour! Oh, hey! Oh, ça va, hey! Faites quoi là derrière? Hey! Tu passes ton arme, s'il te plaît! Oh! Dégagez-vous! Hey, regarde! Il a rien sur lui. Il a juste une espèce de grande robe avec une capuche, mais c'est tout. Ouais. Et gros, dénérage-moi! Non, non, mais regarde, c'est un livre! C'est un livre, C'est vraiment un livre. Ouais, ça je, va. Je le fais tourner et je le range. D'accord, on va dire que tiens. Ok, d'accord. Bah, excusez-moi, on sait jamais. Hein. Non, mais je oui, mais... comment ça, tout ça, pas où tu es? Je me suis réveillé dans le désert et j'ai croisé un vieux à poil. Quoi? Ouais, un vieux à poil. Attends, il était où, le vieux à poil? Bah, de là d'où je viens. Il t'a dit comment il s'appelait? Il s'appelle Mac Muerte. Il a un tromblon. Ouais, il a un tromblon, ouais. Est-ce que tu avoues s'il avait une pierre avec lui? Une pierre magique? Enfin, magique, qui brillerait, tu vois. Magique, je me... Non? Non, mais j'ai pas fouillé, il avait un sac. D'accord. Pourquoi? Non, mais c'était pour ça, pour demander, simplement. Bon. Eh bien, je vais y aller, moi, hein. C'était cool de te rencontrer, hein. Ouais, mais bon, c'est dommage que vous allez me raconter. C'est quoi cette histoire de pierre? Non, mais c'est rien, c'est juste, je demandais s'il avait une pierre, parce que j'aime bien acheter des pierres. J'achète des pierres. Toi, une pierre, toi, qui vaut de l'argent? C'est cette pierre, mais elle vaut rien pour vous. Mais non, elle vaut rien du tout, je te l'ai dit, c'est de la merde. Mais pourtant, c'est un être humain. Enfin, pas un être humain, un être vivant. Attends, quoi? C'est un caillou, un dos. Non, c'est quelque chose qui a été transformé en caillou. Mais vous, vous en avez des pierres magiques?
Non, mais je veux en acheter. Quoi faire? Si tu en as, je te les achète. Pour un rituel? Faire des choses... Oula, et bien, je vais faire des choses... Non, rituel. C'est quoi, un rituel? Je sais même pas c'est quoi, ça. Donc, non, juste pour faire des collections. Donc, si je vous dis... Golrak? Si vous voulez, je peux vous dire Corneboule. Ça fait... D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il aurait une pierre, ce vieux? Vous le connaissez? Bah, je sais pas, je demande s'il en a. Vous me dites, j'ai rencontré quelqu'un de bizarre. Me dit, peut-être ce monsieur a une pierre. Moi, je me dis, peut-être je peux l'acheter pour faire collection. Et c'est quoi votre bouquin, là? C'est un livre. Et ça parle de? De trucs divers et variés. C'est une sorte de guide. C'est un peu... Vous connaissez le guide des... Comment ça s'appelle? Attendez 2 secondes. 2 secondes. Le guide des... C'est bien... C'est pas les Castors Juniors. C'est... Non, il y a vraiment un truc. Castor. Si, les Castors Juniors, et voilà. Le manuel des Castors Juniors. C'est un petit peu pareil. C'est comme ça. Il a des symboles sur sa robe. De quoi? Tu peux me parler... Non, il n'y a pas de symboles sur sa robe. Non, bizarre. Bah écoute, je... Comment cuisiner la patate sèche tellement? C'est tout. Je vais tracer mon chemin, écoute. D'accord. Eh bien, écoutez, bonne journée à vous. Ouais, bonne journée. Et n'oubliez pas, hein, je suis ici. Si vous voulez, jamais vendre des pierres. Des pierres qui valent cher. Mais comment ça, vous faites quoi? Vous dormez là, par terre? Non, mais je vis ici, dans le coin. Vous me trouverez. Si vous me cherchez avec une pierre, vous me trouverez. Ouais. Ça va. Et attention. Surtout. Si jamais, un jour, je vous le dis, hein, si jamais, un jour, vous marchez et vous tombez sur une fontaine. Attendez 2 secondes. Faut que j'écrive la merde que je dis, là. Si un jour, vous tombez sur une fontaine dans le désert. Ok? Ouais. Ne jetez pas d'argent dedans, mais trempez-y 2 doigts. Pourquoi je jetterais de l'argent? Je vous le dis, d'accord? Dans les fontaines, ça porte bonheur, on dit. Mais c'est débile! Il y a des gens qui trouvent ça. D'accord? Faites-moi confiance, si vous faites pas ça, vous aurez des problèmes. D'accord. Hmm? Si j'en trempe 3, il se passe quoi? Ça, je sais rien. Mais je vous le dis. Allez, bonne journée, bidule! Au revoir! Et il commence à prendre le livre sous son épaule et il commence à partir. En courant. Attendez! Il est en train de partir déjà en courant. Je tire, mais pas sur lui, genre à côté. Tire, ok. Il tire les gens. Le mec, il m'appelle Bidule. Ouais. Je suis pas présenté. Ouais. Je le vise pas, je le précise, ouais. Hein, je tire à ses pieds pour lui faire peur, tu vois. Je peux voir le chiffre ou. Oui. Un, ça fait rien, je crois. Mais ça fait rien, ça fait pas de bruit ou... Ça fait rien. Mais c'est tout. J'ai réessayé juste 2e fois. D'accord. Sinon, s'il est pas encore disparu. Ah, il est plus loin encore. 2. Ça tire une balle qui tire un objet aléatoire. Bon, bah t'as tué le seul PNJ qui pouvait t'aider à faire le rituel. Fin du jeu. Voilà. C'était la saison 2. Oh non, nul. Hop. Tadam, tadam. Tu sélectionnes les dés cette fois? Ouais. Non, histoire que ce soit pas totalement random. Non, mais, bah si, c'est vrai. Non mais toi, je veux dire, tu les prends... Ouais. Tu les as préparés de manière random? Bah, c'est sûr. Ah, non, je vois. Une planète. T'imagines? Ce serait comme... Dès le premier épisode, il détruit tout. C'est vrai que c'était toi qui avais tout détruit dans la saison 1. Ah merde, on a du spoilé. Coup... Oh non. Ah oui, mais bon. Du coup, tu tires. Et là, tu vois le bout de ton revolver qui fait... Comme ça, et là... Il y a un putain de requin, d'accord, qui sort, mais à tout berlin, qui va comme ça et qui s'écrase par terre, se retourne, etc.
il vide son ventre, comme ça, et tu vois, comme ça, et tout, il meurt, comme ça, devant toi, à genre 10 mètres devant toi, et tout. Et le mec, il courait, se retourne et regarde. Boudin, mais vous êtes taré! Il commence à courir encore plus vite. Putain, c'est bon, je pars trop, c'est mort, j'en veux jamais, sûr. Du coup, je vais à la ville, parce qu'il faut, ouais, il faut que je trouve plus vite. Très bien. Le poisson, le petit poisson. Alors, attendez, hein. C'est trop drôle, en fait, je me souviens plus ce que tu m'as dit. Enfin, je sais les 7 pierres, le temple de Golrak, et après je sais que c'est les plaines des. Je me souviens plus. Ah non. Okay. Bon, ça, après, au pire, ce sera aux gens de le rappeler, hein, s'ils veulent bien. Donc, tu arrives dans le vide. Maxime qui cite Kaamelott sans savoir. Pourquoi? Ah bon, bah je sais pas. Je vais même pas capter la référence, tu vois, perso. Ça arrive. Ouais, peut-être que je la cherche pas vu que ça vient de toi, mais... Très bien. Donc, tu avances et tu arrives dans le village. Donc là, tu vois, c'est un petit village et tu remarques que quand même, les cabanes, les maisons et tout, c'est plus des cabanes, justement. Tout est un peu mal construit et tout. Et même, il y a une pancarte et tout avec le nom de la ville, mais tu vois que c'est mal écrit, t'arrives même pas à lire le nom de la ville. Oh putain. Et là, t'arrives et ils sont tous comme ça un peu... Et tout, et il y en a un qui arrive, il fait un bon. Ah ben. Ouais, ça va, et vous? Ah ben. Ils sont habillés? Oui, il est habillé. Ça vous arrive? Ça fait mal au ventre. Manger un rat tout à l'heure, ça peut être pas bon. Arrêtez de me toucher, ok? Tu connais le jeu Tour de magie, t'es prêt? T'es prêt? Ouais. Regarde. Tada. Je suis où ici? T'es là. C'est quoi le nom du village? Non, le nom du village, c'est là. Il te montre la pancarte. Vous avez un... J'allais dire un maire. Vous avez un chef ici? Quelqu'un de plus mieux que vous? Oh! Lui! Et il te pointe un autre qui a un truc marché. Comme ça. Du coup. Je demande, est-ce que vous avez... Ça m'a mené à rien. Attends, ça m'a mené à... Est-ce que vous avez quelque chose comme ça? Je pointe mon gros caillou. Mais genre qui brillerait ou qui serait peut-être un peu plus impressionnant que les autres. Genre ça, mais en impressionnant. Quelque chose que quand vous le voyez, vous faites... Oh, oh, oh. Putain, comment il se fout de la gueule. Je vais demander au chef. D'accord. Au revoir! Et c'est qui votre chef? Au revoir! Le chef, c'est celui qui je descend. Je sers mon pistolet en serrant les dents. Et je me relâche. Et ouais. Je vais voir l'autre qui fait... Ouais. Bonjour! Bonjour. Qui est-il? Je me... Vous voulez que je vous aide quelque chose? Je m'appelle Bidule et je suis un peu perdu. Je m'appelle Ferdinand. Bonjour. Je suis chef de ce village. D'accord, je suis un peu... J'ai eu du mal à lire, c'est quoi le nom de cette ville? Le nom de cette ville? C'est genre... le nom que les gens vont choisir. Bonjour. J'étais là, je me suis dit... Au début, je me disais... Ouais, non, ça va être ça, tout le village. Google Town, d'accord. Putain. Non, pas de cas. Oh non. Oh, comme ça, attaque déjà, c'est virulent, quoi. Je retiens. Au City. Je peux regarder les noms, du coup. Oui. Pour regarder le chat. Roubaix.
Instown. Jexville. C'est Jask, hein. Il a marqué. Ah merde. Écrit Jask. Eh, j'ai écrit c'est Jask. Bon, c'est bon, ça va. Jexville. Pas boulant. Bon, faut pas l'utiliser. On croisera peut-être d'autres babous, hein. Vous êtes ici, il est trop bien. Vous êtes ici, il est trop bien. Oh non. Les gens, vous êtes ici, il est trop bien. Juste pour ça, je trouve ça trop bien. Allez, votez les gens. Oh, ça aurait été trop bien que j'ai une machette. Genre le mec, il m'attrape le bras, je fais « Lâche-moi !» Après lui avoir attrapé. En fait, c'est quoi? C'est un carnet de notes aussi en plus que tu ouais. fais. Ça permet d'avoir ça. D'accord. Bon, vraisemblablement, je pourrais regarder les prochains épisodes. Ouais. Bon, ça va. Bon, c'est vous êtes ici qui remporte très haut la mais main. Mais t'es taré! Bon, bah, merci voilà. beaucoup, Easy Ivrogne. Putain, tu as le droit à un habitant de vous êtes ici d'un mètre cinquante ou bien un cultiste espagnol d'un mètre cinquante. Tu ah, merci du spoil. Moi je pensais que c'était un prêtre. Ah la vache. J'ai un genre d'aumônier. Un aumônier quoi. N'importe quoi. Allez hop, c'est bon, c'est parti. Ici, c'est la ville de vous êtes ici. Il ne vous l'a pas dit, notre camarade. Il a eu un peu de mal. T'as créé le prénom. Alors je me demandais, est-ce que vous avez des genres de cailloux comme ça? Mais en peut-être plus brillant. Non, plus... on en a plein, ça. Non, mais genre plus spécial, genre peut-être brillant ou quand. Des pierres précieuses. Ouais, par exemple. Mmh. Ou alors des pierres qui sont accrochées, enfin liées à des légendes ou des mythes. Accrochées à une légende? Non. Genre. Liées, je voulais dire. Sur un livre. D'accord, lié. Il y a bien la fameuse pierre. De Bolgirbor. Mon dieu. Aidez-moi. Mais... c'est une vieille légende. Dans, ouais. les, dans les mines. C'est trop bien qu'il se fasse gêner par ses propres cœurs. La pierre de Bolgirbor serait dans les mines. C'est elle qui aurait causé le terrible accident qui est arrivé il y a ça 66 ans. Ah ouais. Oui, dans la mine. Ah, dans la mine. Dans la mine, là-bas. Oui, ah. D'accord, et du coup, elle est toujours accessible ou alors ça, genre, ça a fermé l'accès? Ah bah c'est une mine, hein. Après vous pouvez y aller à vos risques et périls. Là. Ah, mais oui. Bon, ça aurait pu fermer l'accès, quoi, l'accident. Ah bah c'est non, on ferme hein. pas l'accès parce que tout le monde est mort, on avait peur. Mais bête, lui. RP du décuvage. Et vous auriez. Quelqu'un aurait un sac à me donner parce que c'est. Je... Un sac? Ouais, quelque chose. Pour allez voir. Transporter. Allez voir dans le magasin. Ah, mais. Il est juste là, regardez. Le magasin, c'est marqué dessus. Et ça coûte cher? Parce que j'ai qu'un dollar. Oh, bah, un dollar, c'est beaucoup, monsieur. Ah. Madame. Je sais pas pourquoi j'ai dit monsieur. Tu prends. Eh, écoutez, je vais. Écoutez, par contre, j'ai beaucoup à faire. D'accord, bah, merci de votre aide. Hein. Au revoir. Au revoir. Attendez. Voilà. Il part en sautillant. Du coup, je vais voir le magasin qui m'a indiqué. Bonjour. Putain. J'ai rencontré votre chef, il m'a dit que vous gériez le magasin. Mon chef, le magasin. Et vous avez quoi à vendre, je rentre un peu. Il sort. Et il montre quoi? Et puis il y a des objets dessus, il y a un sac, il y a une grosse pioche, et il y a, comment ça s'appelle? Une grosse paire de bottes, et voilà. Ah, moi j'ai des bottes, non? Déjà. J'ai des bottes! Ouais. T'as pas de bottes, t'es relativement pieds nus. Ah, on va dire que t'as... Je suis cramé, quoi, non? On va dire que t'as juste de quoi... Une mini chaussure. Et ça, vous me le faites à combien le lot? On vend pas de l'eau! Y'a ça? Ça? Si je prends ça, ça et ça, je monte les trois objets. Vous...
C'est quoi la monnaie du jeu, par contre, je la connais? C'est des dollars. Que des dollars, ouais. Donc, d'accord. Ça fait... Je crois que ça fait la moitié d'un dollar, non? Non, ça fait 2 dollars! Prix d'amis. Mais je suis un voyageur perdu, et si... Non. Si je peux pas avoir ça, je vais mourir. Une cache. Ouais, il faut que j'aille la mine pour détruire le monstre qui se cache à l'intérieur, d'après ce que votre chef m'a dit. Hein. Vous le saviez pas? Un monstre? Bah oui, c'est pour ça qu'il y a eu un accident. Vous êtes pas au courant? Il te chope par le col et il te ramène là. Les monstres ont tous été tués. Mais apparemment non. Mais là, c'est pour ça que vous avez peur de vous en approcher. Très bien. Alors, tenez. Il donne la pioche, il donne les bottes, il donne le sac. Tuez les monstres. Kratos, tuez les monstres. Vous me les offrez pour que je tue les monstres? Oui. Vraiment, merci. Vous êtes vraiment une gentille personne. Au revoir. Au revoir. Et du coup, je sors. J'équipe les bottes. Ouais, alors attends, parce que du coup... J'ai failli dégainer mon arme encore. Quand tu m'as attrapé, j'ai failli les mettre sur la tempe. Sur la tempe, putain, je suis bête. Sous la boue. Mon dieu. Sous la boue, j'ai failli les mettre. T'as fait une erreur de... Ok, c'est bon. Bonne idée, Stark. Du coup, Je mets mes bottes hein, et après dans le sac, je mets ma pierre et la pioche. D'accord, la pioche tient pas dans le sac. Hein. Ah ouais. Même si t'as un très gros sac, c'est quel genre de sac? C'est un sac, tu sais, c'est une. Imagine une grosse bourse comme ça, tu vois, que tu peux attacher genre là. Ah voilà, mais je peux l'attacher comme ça. Par contre, la pioche, c'est une pioche, ça pèse lourd. Hein. Ah ouais, et il y a moins que je la cale, je peux pas la caler dans, la caler dans le dos avec, avec les câbles. Ouais, tu peux la tenir comme ça. Ouais, bah je la tiens plutôt de la main gauche. Je dégaine de la main droite. Ouais, si tu veux. Voilà. Ensuite, du coup, tu es ressorti. Alors attendez, il y a des gens qui proposent quelque chose, donc déjà on va voter. Oh non. Oups, là, pardon. Votez les gens. Je pense que c'est assez évident aussi. Mais j'aime bien vous donner le choix de vous exprimer les gens. Parce que des fois je suis surpris en vrai. Et là je pense que ça peut être surprenant. J'espère que ça va pas faire une épée bis. Enfin moi perso je la détestais pas à l'épée hein. C'est les autres joueurs qui étaient genre horribles. Continuer à spoiler, il faut que j'arrête. Hein. C'est trop drôle à ce point-là. J'ai un avertissement de Content ID sur le premier live Metal Gear Solid 5. On va avoir 2 ans le truc. Trop bizarre. Mais ça sert à quoi cette alerte? Bon, c'est juste pour te dire il y a quelqu'un qui va prendre tes droits, là t'as la place. Mais il y avait déjà 10 000 personnes, il y avait trop de musique différente. Les gens, vous avez voté ça. Vous voyez, là par exemple, vous m'avez surpris. Comme quoi ça vaut le coup. Allez, je compte jusqu'à 10 et j'arrête. 1, 2, 3, 4. Le genre 5, de câble alors. 6, 7, 8, 9. Quel joli câble. 10. Ah, c'est pas une quasi-égalité, hein, les gens. Il y a quand même plus de 10 votes. Il y a 14 votes de différence. Donc, c'est quand même énorme en vrai. C'est autant que pour le nom. Donc, je rappelle, c'était. Est-ce que. Ouais, mais non, je peux pas te le dire parce que sinon ça gâche le truc. Bon. Ça veut dire, du coup, je peux regarder si tu me l'as dit. Allez-y, les gens. Proposez-moi. Du coup, ce que ça peut être. Vous vous doutez de quoi je parle. C'est trop bien parce qu'en fait, la question c'est est-ce que là. C'est une jauge de terminer la question, c'est ça? Non. Alors, qu'est-ce que j'ai comme objet qui peut être féminin? Sukudoi, c'est une bonne remarque. Est-ce que c'est la pierre? Ah ben non, on dit pas la sac. Ouais, mais ça, de base, Ginger. Hein. Est-ce que. La botte de droite. Mon dieu.
Ok. Ah, mais quoi, c'est un sondage qui mène à un autre sondage en fait? Oui. D'accord. J'aime bien elle donne le cancer. On va pas tourner autour du pot, hein. On sait que ça, on sait tout le monde a deviné. Enfin, j'ai deviné que ça part de la pioche. C'est obligé. Mais oui, c'est ça. C'est là. En plus, tu me dis, est-ce que là? Non. Merde, attendez. Ça compte pas, ça compte pas. Elle donne le cancer. Oui, c'était ça. Excusez-moi, j'ai pas. Elle transforme. C'est dans les options. Elle transforme les cailloux en porg. Ah non. J'ai pas vu le porc, mais ça a l'air nul. Enfin, si, j'ai vu l'image, hein, mais ça a l'air nul. C'est genre, acheter notre produit marketing. Non, il y aura pas les porcs. Oui, oh, en plus, on va se faire sauter les droits après. C'est bon, vous pouvez voter. Il y a 5 votes, c'est pas mal. C'est quoi, c'est est-ce que la pioche te permet de fabriquer des pierres magiques à chaque coup, ouais, sur une pierre? Ouais, c'est ça. Ouais. Ou tu rends immortel à chaque fois que tu l'utilises, ou... Chaque fois que tu l'as dans le main, tu es immortel. C'est pas rien. Regarde pas. J'ai pas regardé. Ouais. C'est vrai que c'est dur à choisir, là, franchement. Oh non, vous foutez pas ça, putain. Sérieusement, vous êtes relou. Oh non, la 5, ça va être une purge, les gens. Oh non. C'est aussi difficile pour le joueur que pour moi. Non. Ouais, ah, j'avoue, ça va pas être. Bah, c'est vrai que c'est le moins chiant pour le joueur, mais pour moi, c'est le plus chiant. Ah, ça va être horrible. Non, je relance pas de vote, j'accepte. Non, si je vous fais un vote pour un truc, j'accepte la réponse, c'est bon. C'est mon problème. C'est vrai que je peux prendre le 1 et le 5 si vous voulez. Oh, mais ça fait deux trucs pour. Parce qu'il y en a qui est cool au moins. Ouais. Écoutez, si le 1 arrive à 30%, on met le 1 et le 5. Pour l'instant, le 1 n'est pas à 30%. Bah en vrai, non, je peux pas trop parler, ça va spoiler tout. En vrai, le truc dans la saison 1, moi j'ai pas trouvé ça chiant, franchement. Mmh. J'ai même l'impression que ça en gavait certains. Mais... c'est qu'elle pouvait être chiante, mais bon, perso, faut que j'en ai rien à foutre. Ah, 5% de 30%. Elle pleure, quoi. Pour c'est bon. On est à 30%. Très bien. Donc c'est allez, 1 et quoi. 5. Ok. Attendez 2 secondes. Que j'ai un site pour ça. Pour. Ah, d'accord, ça veut dire que ça va être des trucs un peu aléatoires ou des conneries, alors, quoi. Alors que tu mets la pioche à ton épaule, t'entends une voix qui te chuchote. Alors, tu sais qui tu as dans les mains? C'est toi la pierre? Non. Je suis la pioche. Bah, continue, je sais pas moi, que je dise quoi. Écoute. Qu'est-ce qu'il fait 999 fois tic et une fois toc? Un réveil cassé? Un mille pattes avec une jambe de bois. Alors, elle est pas mal, franchement, non? Tu sais ce que c'est qu'un lapide? Un quoi? Un lapide. C'est un lapin rapide? Non, c'est un tlin qui va tlé vite. Bon, tu veux une blague courte? Non. T'en veux une autre? Non. Si vous me parlez de vous d'abord, plutôt. Bah, bon, moi, vous êtes pioche. Là, vous enchaînez, vous ne vous présentez même pas. Genre, vous avez pas de nom?
Non, bah non, mais tu veux une autre blague? Tu veux une blague qui pue? Vas-y. Sans tes bottes. Elles sont neuves. Bah ouais. Bah, tu veux une blague vaseuse? Ouais. Mets tes bottes. On est dans le désert, c'est tout sec, hein. Bah je plaisante, c'était très drôle. Qu'est-ce qui... Attends, je suis sûr que je peux en trouver d'autres. Qu'est-ce qui... Ouais. Ça, je vais... Ouais. Hashtag malaise. Ah bah ouais, je vous ai dit, hein. Moi, vous faites une blague, vous faites une malédiction horrible, c'est comme ça. Bref, on se reparle tout à l'heure. Ok. J'espère que on peut piocher quand même. Quoi? Je peux me servir de toi. Pourquoi? Casser des cailloux ou autre. Dans une mine. Mais t'es malade, ça doit faire trop mal. Ah, mais je t'ai acheté, hein. C'est pour ça. Mais je suis pas un esclave, enfin, je sais pas, c'est horrible. En parlant de ça, tu sais c'est quoi? Enfin... Ça? Non. Un troupeau de 1. Elle était pas mal, celle-là. Quand même. Ouais. Bon. Bah du coup, en tout cas, non, m'utilise pas pour taper des trucs, ça fait mal. Ouais, bah on verra, désolé. À bientôt. Ouais, à tout à l'heure dans la mine. Dans le... Ah. La pauvre pioche. Je sais qu'elle se fait avec les doigts, Nekotika. Ah, vous avez la pire pioche du monde, moi je la déteste, personnellement. Tu peux lui donner un nom, si tu veux. Non, c'est bon. Du coup, que fais-tu? Bah, je vais, Bah, je crois qu'en ce moment-là, ça devrait aller. Je vais aller voir la mine. De quoi? Je vais aller vers la mine. Elle est où? Bah, il me l'avait pointé. Ah, mais il t'avait pointé une direction globale. Faudrait que tu lui reparles, Pierre. Ou que t'ailles demander à quelqu'un. Bah, elle est pas près du village? Bah, elle est un peu plus loin que le village, quand même. Oh. Y a pas une montagne à côté? Attends, c'est bon, normalement, les mines, c'est dans les montagnes. Oui. Mais il n'y a pas une montagne près du village? Non, les mines sont pas forcément dans la montagne, des fois c'est dans le sol. Ah, oh, ouais. Ouais, mais si. Ouais. Du coup. Putain, il a des réponses de gens sur. Putain, il a sur son portail en plein live, quoi. Bravo. Il sait comment je triche. Du coup. Bah. Y a un bâtiment, si tu veux, qui s'appelle genre. La carte. Office pourisme. J'y vais. J'ai voir le bâtiment. Faut que je trouve une autre tête de bébé. Putain, bravo. Bonjour. Bonjour. Je suis bidule. Elle est drôle celle-là. Je remets la pioche. Je crois que t'as un public là. Hein. Ah ouais. Attends. C'est l'histoire d'un type qui rentre dans un café. Plouf. Elle est drôle celle-là. Hey, fais quoi un petit canif? Attends, non, pardon, j'ai raté ma blague. Il a dit la réponse. C'est quoi? Il a dit la réponse. Je l'ai mal lu. C'est quoi un canif? Je sais pas. Un petit chien. T'es une carotte qui veut se suicider, elle échoue, elle dit quoi? Un petit chien? Non. Elle dit zut, c'est râpé. Bon, j'ai pas compris. Suffit. Quoi? Ah, oh, c'est bon. Qu'est-ce que... Ouais. Bienvenue à la fille du pourrisme. Merci, vous pourrez m'indiquer où est la mine? Non, je sais pas. La mine abandonnée. J'ai pas compris celle-là. Est-ce que la mine... Non. Mais c'est drôle quand même. La mine où il y a tous vos amis qui sont morts. Quoi? La mine où vous êtes tous morts. Mais je suis pas mort. Il y a une carte Bah là, il y a rien, il y a que dalle. Ah, c'est un bâtiment avec quelqu'un dedans, quoi. Du coup, tu peux lui demander un truc, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, bof, hein. Est-ce que vous pourriez...
m'indiquer quelque chose que dont votre chef m'a parlé. Qu'est-ce que c'est? La mine. Où il y a eu un accident il y a longtemps dedans. Ah oui, la mine hantée, ouais, ouais, ouais. Ah, elle est hantée? Je sais pas. Ouais. Et vous pouvez m'indiquer où elle est plus précisément, parce qu'il m'a donné une direction globale, je sais que c'est par là-bas. Alors, mais... c'est simple, vous allez au village, vous faites 100 pas, ensuite vous allez vous retourner vers la gauche, vous faites 20 pas, ensuite vous allez vers la droite pendant 100 pas, ensuite vous allez vers la gauche pendant 100 pas. Là, à droite, il y a un cactus, vous allez vers le cactus, vous regardez à gauche et vous avancez pendant 200 pas. Ensuite, à droite, vous regardez, il y a 25 pas à faire. Ensuite, vous regardez à peu près vers l'est et là vous y êtes. Vous pouvez m'accompagner? Ouais. Ben allons-y alors. D'accord. Elle peut dire... Elle peut... dire des blagues? Ouais. Ouais. D'accord. Bon ben on se met en route hein. Ouais d'accord. Du coup il raconte des blagues toutes plus horribles les unes que les autres. Elle continue de rigoler en se tapant la joue. Ouais elle est utile en fait. Putain elle m'aurait pas aidé. Et du coup quand... On arrive à la mine. Voilà. Ouais, ouais, et du coup, vous arrivez devant la mine, et là, du coup, ça. Bon. Et du coup, attends. Ah, pardon. Je connais cette mine. C'est la pioche qui part, ouais. Ouais. Du coup. Comment appelle-t-on une chauve-souris qui a des cheveux? Vas-y. Une souris. Celle-là est marrant, mais c'est. Non? Non, c'est pas drôle. Si? Alors? Prendre la pioche utile, ouais. Du coup. Et la mine, elle est au. Alors, du coup, c'est une mine où il y a genre. Tu sais, 4 piquets qui sortent, où il y a un plateau, et puis tu déroules le truc, Monte-charge. Ouais, monte-charge, on peut appeler ça comme ça aussi. Oui. Et le village, je le vois d'ici, du coup? Oui, bah, tu peux le voir un peu plus loin, ouais, en contrebas. Tu peux savoir où il est, quoi, du coup. Oh, ok, ça va, d'accord. Bah écoutez, merci, hein, vous pouvez retourner dans votre village. D'accord. Je peux avoir... Par contre, je peux... Enfin... Ouais, mais je risque d'en avoir besoin. Bah oui, mais c'est un service, quoi. Vous avez rien dit. Elle vous a payé en blague, hein. C'était deal, hein. Non, mais... Non. Donne-moi ma thune. Elle t'a maniqué. Alors? Attendez, je vais poser ma pioche et je vais vous donner l'argent. Elle se recule et tout? D'accord. Elle est à quelle portée? Bah elle est à genre 2 mètres de tour. Oh vas-y, elle se recule de 3 mètres quoi. Bah non, elle était à 1 mètre, elle se recule d'1 mètre, ça va. Alors? Vas-y! Donne-moi mon argent! Je lâche ma pioche du coup. Ouais. Je fouille dans... insupportable! Alors? J'ai payé combien déjà? Non, c'est vrai, j'ai eu gratuit, c'est vrai. Mais je prends ma pêche, je lui jette. Ouais, ouais. Oh, c'est beaucoup, attendez. Hop. Attendez. Et du coup, elle te rend genre 95 cents. Non, bon, ça va. Merci. Je vais pas la tuer. Au revoir. Il fallait me dire le prix avant. Elle part. J'allais tirer dans le dos. Ça m'avait rendu trop. Enfin, pas assez, j'aurais tiré dans le dos. Bon, tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Ah, mais tu parles de... La vieille expression, tu sais, pourquoi on met une selle sur un cheval? Parce que si on la met en dessous, elle tombe. Ah, elle était quand même plus drôle, celle-là. Du coup, je peux l'entendre même sans le porter? Ouais. Et en fait, de quel côté un chat a-t-il le plus de poils? Oh là là. Je prends la pioche, à l'extérieur. Dans mon charge, je le pose. D'accord. Je la pose quoi. Ouais, tu descends avec quand même. Ouais, ouais. Très bien. Du coup, je regarde le truc, ouais, c'est bon. J'imagine, genre, tu tombes sur un monstre, je lance, attaque, blague, pas drôle. Le monstre est déboussolé. Du coup, tu descends, etc., peu à peu dans la ouais. mine. Et du coup, là, t'arrives en bas et. Noir total. Oh, merde. Du coup, Le noir, il n'y a pas la lumière du haut car. Bah, si, un peu. Il y a un coffre, genre avec des torches ou quoi? Non. Putain, c'est bizarre. Putain, en plus, c'est le cas quoi. Je peux pas. Attendez, il y en a vraiment des drôles. Donc, vas-y, continue. Tu fais. Oh non. Vas-y, je... Non, je vais, elle va me faire sortir une blague pas drôle, je vais pas lui poser de questions. Tu fais de la lumière?
C'est une blague ou... Mais non, tu parles, tu pourrais faire de la lumière. Je suis une pioche. Tu parles, t'es une pioche, tu parles. Eh bah toi t'es une meuf, tu parles, what? Tu fais de la lumière. Ah mais je suis bête du coup, je vais dans une mine. Je fais... Bonjour. Et donc là t'entends... Ah c'est moi qui parle pour les autres. Et tu vois que c'est un tout petit grain par terre, une toute petite pierre par terre. Vous savez comment je pourrais m'éclairer? Avec une torche. Et il y en a là? Non. Il y a rien d'autre qui... Le soleil fait de la lumière. C'est ce que les autres pierres du dessus, elles nous disent quand elles tombent. Elles disent qu'il y a du soleil dehors et que le soleil, ça fait de la lumière. Mais des fois, la nuit, eh ben, il y a un plus petit soleil et il fait moins de lumière. Ils appellent ça la lune. Alors je pense qu'une torche, c'est un petit bout de lune, vu que ça brille, mais pas trop quand même. Mais pourquoi pas un morceau de soleil? Parce que, pas trop quand même. Ouais, ça a plus la couleur du soleil que de la, que de la lune, hein. J'ai jamais vu l'un ou l'autre, donc je sais pas. Mais vous avez déjà vu une torche? Oui. Ah bah c'est jaune comme le soleil. D'accord. Jaune, rouge. C'est rouge le soleil? Ça dépend. D'accord. Et la lune, c'est jamais rouge. Peut-être pendant les rituels sataniques, des pleines lunes rouges sang. D'accord. Qu'est-ce que... Et... Par contre... vous comptez faire quoi avec cette pioche? Je sais pas, je cherche une pierre. La pierre de je sais plus quoi, la bolgum machin truc. Quoi? Une pierre légendaire qui serait là, ici, là-dedans, dans la... C'est possible. Il y a une pierre qui est là, et ben... Nous, on la trouve vachement bien, et peut-être qu'elle est légendaire, c'est possible. Ouais, parce qu'en fait, elle aiderait à sauver, et je sors, le game, mon ami. Alors, il commence à parler et tout, il fait... Ah ouais. Hey, tu... Ça va? Il m'avait dit que c'était un dodo, hein. Ouais. Et du coup, t'as... Ah, ta pierre, elle va pas bien, je crois. Mais en fait, c'est un animal qui a été transformé en pierre. Putain, c'est ouf. Ouais, bah écoute, je vais devoir y aller, il faut que j'aille chercher des torches. À moins que j'utilise la pioche. T'as une pioche qui fait torche? Ouais, mais je pourrais attraper, mettre du tissu au bout et cramer la torche. C'est une très mauvaise idée. Je veux pas, non. Bah je vais remonter, hein. Merci. De rien. Et au fait, attends, avant que j'en parle, vous savez où est-ce qu'elle est, cette super pierre? Elle est loin dans la mine? C'est pas là tout de suite, je vais pas parler, c'est une légende un peu, tu vois. Ça bouge pas beaucoup en fait. Ouais, mais je veux dire, vous pouvez pas vous demander de pierre en pierre Vous pouvez s'en correspondre jusqu'à l'autre bout de la mine. Mais genre, y'a que des pierres, non? Attends, je peux demander. Hein? Pierre? Moi? Non, non, pas toi. L'autre? Moi? Non, l'autre. Moi? Ouais, ouais. Tu sais où est la pierre que tout le monde il aime bien? Tu parles de pierre? Non! Tu parles de pierre? Non, l'autre! Celui qui était bien! Pierre? Ouais! Tu peux savoir où il est? Bah, faudra. Attends, je demande! Pierre? Moi? Non! Pierre? Moi? Non, pas toi, parce que tu viens de. Pierre! Insupportable! Bon, attendez, je vais me chercher une torche et. Comme pendant ce temps, je vais aller chercher, hein, et on verra quand on se retrouve, hein. À tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. Ah, je remonte. C'est la pierre qui dit ça juste avant. Du coup... Je remonte sur mon charge. D'accord, oui, t'arrives en haut. Du coup, y a rien à côté de la mine, y a pas de coffre à torche. Non. C'est des nuls, hein, putain, mais... Faut les cramer, ce village de... En parlant de cramer... Tu sais ce qui est transparent et qui court dans un champ? Non. Un troupeau de vitres. C'est un... Pas si ça existe. Du coup c'est... Ok, écoute, on va aller au village avec tes potes qui t'attendent. Mes potes? Bah, ceux qui rient à tes blagues. Ah ouais, t'es marrant, t'elle. J'aime bien. Je rentre au village, j'ai pas le choix. Hein. Ouais, du coup, t'arrives au village, donc il commence à faire... Enfin, c'est le coucher de soleil. Ah merde, déjà. De toute façon, après, dans la mine, il fait noir. Ouais. Après, si j'y retourne.
Mais le magasin, il n'y avait pas de torche. Le Maxime dit à Maxime de dire Maxime. De dire à Maxime de dire ta gueule. Où est-ce que je pourrais aller? Je retourne peut-être au magasin, peut-être j'ai pas vu qu'il avait des trucs. Ouais. Écoute. Rebonjour. Hein? Je parlais au maire. Ouais. Il a dit qu'il n'y avait pas de monstre. Et pourtant, il a dit qu'il y a eu un accident avec plein de morts. Oui, mais c'était il y a 66 cause... ans. Oui, à cause d'une pierre. Et il n'y a plus de monstre. Que... Ouais, non, il m'a dit qu'il n'y a plus de monstre. Du coup, tu me rends mes trucs. Mais vous êtes mal. Allez, tu me rends mes bottes. Pourtant, j'ai parlé. Tu me rends ça, tu me rends ça. Allez, tu peux peut-être garder la pierre. Je sais pas, en même temps, j'aime bien les blagues. Il peut manquer. T'es devenu qui commence à pleurer. Tu vois qu'il commence à câliner la pioche et tout. Et s'il y a des torches, il m'a récupéré le sac du coup, il a d'abord récupéré la pioche. Mais il a récupéré tout en fait. Ah, et du coup, dedans il y a ta pierre, fais gaffe quand même. Je te dis. Faut que je récupère ma pierre qu'il y a dans le sac. 50 centimes. C'est à moi. Du coup. Je fais semblant, je vais pour lui donner. Ouais. Et en fait, quand il me tend la main, je l'attrape, je la tire et je lui fais « Je veux ma pierre, ok ?» Vas-y, tire, vas-y, tire, vas-y. Oh, il met le truc dans sa bouche et tout. Tu tires, ok. T'es un ouf, toi. T'es un ouf. Et j'ai fait qu'obéir, c'est... Voilà. Oh non. Ça fait rien. Ça... Oh, ben, alors, t'as aimé ma blague? C'est une blague, ça? Et ça, c'en est une? Alors? J'ai toujours le pistolet dans sa bouche du coup. Ouais, bah oui. Et je retire. D'accord. Oh mon dieu, c'est un objet ça. Non, oui. Je crois que c'est un objet. Oui, c'est deux. C'est deux, c'est un objet, oui. Non? C'est ça. Deux, c'est un objet. Bon, bah. C'est horrible. Il est dans sa bouche, de toute façon, le pistolet là. Ouais, ouais, c'est dans sa bouche. Ah, il est toujours dans sa bouche le pistolet? Ah, je sais pas si ça va. À la base, je voulais voir ce que ça faisait quand on tapait quelqu'un qui était mort. J'aime bien, ça va encore partir de la pioche qui est venue me manque. Trop bien. Pourquoi j'aurais un dé? Bon, en tout cas, je voyais ce dé là, mais bon. De toute façon, c'est parce que une phase du dé que ça va tout changer. Oui, ça devrait aller. Mais bon, j'ai regardé les dés que t'as pris. Je les ai regardés pendant la nuit dernière. Tu peux, hein, ça change pas le hasard. J'ai pris Worst Day Ever. Le fameux. Je regarde. C'est ouf comment il se repasse les mêmes choses en fait. C'est quoi? C'est assez ouf quand même. Il m'a... Et là t'as... Alors du coup j'avais... Et là... T'as sa tête qui s'ouvre en deux comme ça. Et toi t'as... Et t'as un... Qui tombe de côté comme ça, un énorme, on va dire, lézard vachement gros et tout qui... Qui te regarde comme ça. Donc, juste devant. Il a l'air agressif ? Ouais. Enfin, neutre en tout cas, mais neutre, il a l'air agressif. Bah, j'ai changé de dé, hein, les gens. Du coup, il a. Et j'ai fait par là-bas. Et je monte la sortie. Du coup, il te regarde. Il commence à monter sur le truc sur lequel t'es. Enfin, peut-être devant le truc où il posait les objets, quoi. Il commence à monter dessus et tu vois qu'il est pas, il a pas l'air cool. Ok. Je commence à. Je commence à aller vers la sortie du bâtiment en criant. Attends, 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 avant il y a la pioche qui fait. Hé, attends, attends, attends. Tu sais combien gagne un fakir? Des clous. J'ai pas le temps. Putain. Et en fait, vers Claire, je crie. Venez, il y a un concert de blagues. Tu l'écoutes. Alors, bonjour, je tiens à dire quand même qu'il commence à faire tard et qu'il ne faudrait pas trop gueuler, s'il vous plaît, dans le village. Et en plus, les concerts sont interdits à cette heure-ci, hein, d'accord? Et donc là, il y a le truc qui est en train de courir, etc. Il arrive, il sort, donc toi, t'es juste devant avec le maire. Il sort et quoi, il saute? Non, il est là, juste, il est juste devant et vous êtes tous les deux devant. Ah, d'accord. Bah, en fait, je me décale pour me mettre contre le mur de la porte, en fait. Enfin, devant la sortie. Attends, je t'explique. En gros, là, t'as le mur, là, t'as la porte. Ouais. Toi, t'es devant, d'accord, avec le maire. Et lui, il est en train de sortir par la porte. Bah en fait, je m'éloigne sur le côté. D'accord. Et je laisse le maire là où il est. Du coup, le maire il se retourne et il fait oh,
Du coup, il y a le vélociraptor qui lui saute dessus, d'accord. Ouais. Commence à machin, le maire sort un flingue, qui tire dessus et tout. Le vélociraptor commence à gigoter sur le côté. Il y a le maire qui essaie de remonter par-dessus, qui lui tire des balles dans la tête. Il y a le débile qui revient du début, qui tire, etc. Dessus. Et il y a la meuf de comment ça s'appelle, du... La fille du drone qui fait... qui prend son flingue et tire aussi, etc. Machin, et le vélociraptor est en train de crever, enfin ils sont tous en train de s'occuper. Et je rentre dans le magasin du coup. D'accord. Et donc bah, t'as le cadavre. Je récupère mon sac avec la pierre. Ouais. Bah la pioche, j'ai toujours. Elle est toujours là, la pioche, elle est toujours posée. Vrai, elle est posée, tu l'as pas pris. Bah je prends. Y a des torches ou pas dans le magasin du coup? Bah y a bien une torche à l'entrée, un truc comme ça, ouais. Ouais, bah écoute, je prends la pioche. Je prends. Allumer la torche du coup? Non. Bon, après, il y aura toujours moyen avec des cailloux. C'est toi qui vas. Ah non. Y a... Les cailloux, ça allume pas, une torche. Non, du silex. Et on est dans une mine, il y a du silex. Non. Il y a quoi? Il y a quoi faire du feu dans le magasin? Bah, peut-être sur le mec, il faut que tu fouilles. Bon, je fouille son cadavre. D'accord, très bien. Donc, oui, il y a un silex et il y a de la tuile. Mais je prends les deux. D'accord, donc. Adal le patriarche, tout à fait. Donc, attends, je rajoute tes objets. Hein. Putain. C'est horrible de faire partir en fait. Donc sais... j'estime que t'arrives à choper 1 dollar dessus plus tes 50 centimes. Donc ouais. Voilà. Et je t'avais dit, t'as pris quoi? Silex. Silex. Enfin, un allume-torche, on va appeler ça. Ah oui, c'est pas juste un silex, c'est un silex élaboré quoi. Ouais, pour le coup. Je vois à quoi ça ressemble. Ok. Et du coup, après, bah, je ressors et en passant, je chope une torche. D'accord. Et j'essaie de me partir. D'accord, donc tu vois qu'ils sont en train de s'affoler devant et tout, il y a le maire qui est en train de se vider un peu, et les autres qui essayent de machin, etc. Ouais, je me mets discrètement pour aller vers la mine. Et du coup, lorsque tu t'éloignes, il fait « Bon, tu sais ce que crée un escargot sur le dos d'une tortue ?»« Tu vas trop vite ?» Elle est pas mal, ça a l'air, hein. Bon. Du coup, t'avances, t'arrives devant la mine, ouais. Donc tu reviens et tout ça. Donc ouais, t'es devant la mine. Bah, j'active mon charge et pendant qu'il descend, j'allume la torche. Hein, ouais. Parce que je profite un peu de la faible lueur pendant que j'y vais encore pour l'allumer, quoi. T'arrives en bas. Ouais, c'est bon, et maintenant j'y vois. Ouais. Et alors, ça se présente comment? Bah, c'est un grand couloir. Tu vas tout droit pour l'instant? Pour l'instant. Alors, rebonjour. Bonjour. Vous avez réussi à trouver ce que je vous ai demandé? Quoi? Ouais, c'est pas grave, c'était pour la pierre, hein, mais bon. C'est pas grave, je vais aller fouiller moi-même. Je vous tiendrai au courant, au pire. Ah, mais c'était il y a longtemps, ça, non? Il n'y en a pas très longtemps, non? C'était la même journée. Je me rappelle plus. Bon, écoutez, c'est pas grave, je vais y aller. Je vous tiendrai au courant sur le retour. Il peut y avoir des lampes à huile, effectivement, Jarkro, mais c'est une ville de tardés manteaux, donc bof. Ils ont des flingues. Donc vas-y. Bah, écoutez, je vous laisse, hein, je vous tiendrai au courant. Sur leur dos, sauf s'il y a une autre sortie. D'accord. Ah. Putain. Non. Au revoir. Au revoir, maman. Mais Noël, jamais j'avance du coup. Hein. T'avances et du coup là, t'as le choix entre la gauche, le milieu et la droite. Oh mon dieu. Alors? Mais je vais aller. Je prends ma pierre. Ouais. De dodo, hein. Mmh. Enfin, de Rocky plutôt, pardon. Ouais. Et je lui dis est-ce qu'il y a un chemin qui te tente plus qu'un autre? Est-ce que tu arrives à ressentir la pierre? Fais un bruit bizarre quand tu seras. S'il y en a un que tu sens, je passe doucement. Genre, je m'arrête devant un chemin. Non, ça sert à rien. Écoute, je vais aller tout droit. Ouais. D'accord. C'est nul la pierre. Merde, oula, ouf. Ensuite. Tu avances. Et donc. Attends, deux secondes. Hein. Ensuite, genre. Tu avances, et donc là, encore une fois, t'arrives à un truc où. Bah, t'as deux chemins à gauche et un chemin à droite. Alors? Y a aucun bruit qui vient de tout ça. Non. Je vais à droite. D'accord. Tu avances et là encore, t'as un choix entre gauche, milieu et droite. Je vais au milieu. D'accord. Là, t'avances et tu vois que c'est.
un cul-de-sac, mais il y a une pierre dans le cul-de-sac qui brille, effectivement. Ah. Mais ça m'étonnerait que là, tout ça, le dodo, il saura pas, il a été transformé, c'est pas sa faute. J'essaie de m'en approcher, j'observe d'abord pour voir s'il y a quelque c'est chose. C'est une pierre qui est plutôt brillante, effectivement, translucide, qui est plutôt jolie. Et je prends ma pioche et je... Aïe, aïe, mais pourquoi tu fais ça? D'accord, ça fait rien, ça bouge un peu et tout. Ouais, mais c'est tout. Bah écoute, je la prends alors. Ouais, très bien. Hop. On l'appellera la pierre B. Parce que je sais que ça commence par un B, son nom. Mais je me souviens pas. Très bien. Eh bien, tu perds conscience à ce moment-là. Oh non, c'est fini. Ouais, et ta torche. C'est horrible. Et du coup, voilà. Et du c'est coup, pas... le c'est problème, horrible. C'est que tu es en plein milieu d'une grotte où tu viens de prendre plein de chemins. Bah après, normalement, pour revenir, il n'y a qu'un chemin. Non. Ben non, à chaque fois il revient, il a un choix entre trois chemins. Ah, ouais, enfin, normalement c'est quand tu arrives et que t'as trois chemins, quand tu reviens, les chemins ils sont genre vraiment sur le... Ah ben non, c'est quatre chemins, genre t'as un... Ah, comme ça, on croit. Moi j'imaginais trois chemins, genre non. Du coup, ça va être la merde pour lui. Alors, c'est la fin. Eh oui. Ah ça, c'était dur à tenir de mon côté, parce qu'au bout d'un moment, on a les idées, puis après t'as plus d'idées, puis après t'arrives aux idées. C'est difficile, parce qu'au début, t'as vraiment aucun indice. Voilà, mais c'était cool. Là, tu débarques, faut que tu trouves quelque chose à faire, en fait. Idée ever, la pioche, c'est une horreur. Bravo, hein. J'aurais pu la laisser, en plus. Je l'ai prise à exprès. Exprès pour qu'elle reste. C'était vraiment drôle à faire, mais c'est une horreur, au bout d'un moment, à gérer. Mais bon, c'est tout, c'est ça qui est drôle. La pierre B ou la B pierre? Je sais que ça pourrait la prochaine partie, bravo Opté. Je déteste vraiment la pioche. C'est vous qui avez pourri la partie avec votre pioche, hein. Moi j'ai fait que la garder, hein. Et ça va être vraiment cool, ça va être horrible quand il va piocher entre hurlement de la pioche et la montation des pieds. C'est vrai. Ah franchement c'était cool, hein. Moi j'ai bien aimé cet épisode. Et vous voyez ce qui est bien, c'est qu'on a déjà... On a parlé à la pierre, dommage. On a déjà une... comment ça s'appelle? On a déjà une base en fait. Par exemple, j'ai pas eu à choisir c'était quoi le village. On avait déjà choisi à l'avance parce que c'était un village d'attardés. Ensuite, c'était cool parce que j'ai noté les trucs. Donc plus tard, il peut revenir sur les trucs. Je sais ce qui s'est passé globalement, je le sais. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc c'était cool. Le prochain joueur, je ne sais pas qui ce sera. Je ne sais pas quand ce sera. Peut-être que ce sera Kevin. Mais peut-être aussi que ce sera Eric, puisque Eric revient... en fait, Eric revient le week-end du 19, donc peut-être ça sera Eric, le 19. Le prochain Glabux, c'est le 14, on a aussi le 26, donc le 19, ce serait bien pour Bidule. J'aimerais bien, en fait, que toutes les semaines, vous ayez un jeu de rôle, plus ou moins. Vous avez toujours là. C'est faisable, là, pour l'instant, si on fait ça, il y en a un par semaine. Ouais, mais donc, après, tu imagines, sur la longueur. Au début, c'est facile, mais après, sur la longueur... Bah, Bidule, il n'y a pas de préparation, donc ça va. Ouais. Mais Glabux, c'est plus compliqué. Ouais. Mais après, le problème de. Après, bon, c'est pas trop gênant, mais Bidule, après, si tu... quoi qu'on avec le nombre de joueurs qu'il peut tourner. Franchement, ouais, ça tourne beaucoup. Hein. Parce que rien que là, en fait, non, on peut en fait, avoir un joueur qui se répète. Faut que après, si le joueur se souvienne trop, ça précédente partie. Mais là, par exemple, ouais, mais comme on avait fait avec Kevin, il a deux parties entre chaque truc, donc en gros, quand il revient, tout a changé en fait. Donc là, nous, par exemple, là, si par exemple c'est Eric le 19, ça peut très bien être Kevin début février. Et voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Calias? Notez ça quelque part. Alors, c'est déjà noté sur Steam, mais effectivement, je vais faire je vais refaire le programme. En dessous, je vais faire deux programmes, en fait. Je vais faire un programme des lives qui seront réguliers de semaine en semaine, et les lives des événements, genre Glabux et les aventures de Bidule, parce qu'on les prépare vraiment à l'avance. Donc, voilà. Et, bonne année, en effet. C'est vrai, j'ai hâte de voir Eric dans le village. C'est le bordel. Ah, par contre, faut que j'écrive que le maire s'est fait zigouiller. Enfin, zigouiller, attaqué par un vélociraptor. Et vous êtes pas mort, hein? Non, mais faut le dire, quoi. T'as dit qu'il se vide, qu'il se vidait. Après, s'ils ont pas de quoi le soigner, ça va être chaud. C'est quoi, j'ai pas vu, mince. De quoi? Ah putain, j'ai pas pensé à regarder du coup. Y'a moyen de reposter l'image? Ah non, attends, c'est bon, c'est l'aventure des canifs. Non, c'est bon. Je l'ai. Qu'est-ce qu'un petit canif? Non, désolé, un canif, un petit chien. Ça a pas l'air d'aller ce soir. Quelque chose vous mine? Putain.
Ouf, le public, c'est ça. Un dur plutôt, non? Un dur, ouais, ouais, effectivement. N'hésitez pas à augmenter les contrastes sur la photo, ça se voit mieux, effectivement. On aura le droit à un live FH burlesque un jour. Bah, Jake, ça va en faire un juste après. Ah non. Moi, j'ai peur d'avoir un peu chaud dans la voiture au début. Ça arrive. Non, mais ce que je vais faire déjà, c'est que la plus grosse, la dernière veste et le KOE, je le mettrai pas. Je le mettrai sur moi. On parle pas de ça parce que du coup, c'est spoil. Ouais, bah, voilà. Du coup, je sais pas ce que je sens que Greg va avoir pas mal de lancers de dés. J'ai pas dit. C'est possible. Maxime, tu penses que tu vas refaire des vidéos balades? Alors, comme j'ai dit, Dioxys, les vidéos balades, ça sera dans les cassettes mystérieuses. Ça sera pas autrement parce que tout simplement, c'est impossible à gérer de mon côté en plus de tout ce que je fais déjà. Et voilà. Tu vas faire ça comment? Genre sur le chemin pour le tournage ou quoi? Bah non, mais c'est comme d'hab. Si tu regardes dans les projets fantômes, il y avait déjà le côté la balade. Donc, oh. Ouais, mais c'est balade. Bah c'est la même chose. Ouais. Donc voilà. C'est vrai que sa musique est bien comme fin. On va avoir le retour de Tolomite, tout le monde. Du coup, je vais devoir noter la rediff. C'est dommage, ça arrive. J'irai me reposer un peu. Et Globi Dessin. Alors, Globi Dessin, je vais en refaire. En gros, le seul souci, je vous expliquais, c'est qu'avant, c'était un peu dur de prévoir à l'avance. Là, en gros, cette semaine, du 2 au 5, je suis pas là. Mais le 6-7, je suis là et du coup, je prendrai le temps de retaper un programme des lives correct pour les prochaines semaines. Donc voilà. Et vous faire des trucs dans la voiture, genre à la colline des amoureux, tout à fait. À quand la fin des chroniques du Nécro? Cette année, du coup. Mais je sais pas quand. Et ça sera en un bloc, plus ou moins, je pense. Le maire, il a 7 têtes, je sais que ça paraît pas, mais je serais ça drôle. Un petit peu, hein. Pas de Globi Dessin, pas tout de suite, mais en janvier, il y en aura un, j'espère. Ah, j'ai pas vu les dernières actualités sur les cassettes et le soleil. Et oui, j'ai mis des tweets, enfin des lives, des news. Bon, après, sur les cassettes, je peux rien vous dire, en fait. C'est ça qui est trop chiant. Si je vous dis, par exemple, oh, on va dans un endroit tel machin, etc., ça vous spoil l'endroit, et du coup, j'ai vraiment envie que les endroits restent secrets jusqu'à ce que ça sorte, parce que, franchement, il y en a des endroits de ouf. Rien que là, on fait un tournage cette semaine, il y a deux lieux qui sont ouf. Le troisième n'est pas ouf, et le quatrième non plus. Mais, mais vraiment, les deux sont ouf. Quand vous les verrez dans la vidéo, vous ferez « Ah, il a fait ça, c'est cool, quoi !» Alors que si je vous le dis avant, bah, ça gâche un petit peu la surprise. Donc, vous inquiétez pas. Un nouveau smiley, il faut qu'il y ait plus de subs. Je peux pas changer ça. Voilà. Elle était postée l'image, je l'ai pas vue. Quelle image? Ah oui, elle était postée. C'est dans One Punch Man, celui-là. Wow. La maison de Jex, enfin je veux dire, le squat de Jex. Il partait à Tchernobyl, trop bien. Non, on ne parle pas à Tchernobyl. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandaient si on allait à Tchernobyl, parce que c'était effectivement... Alors, je vous précise quand même, c'était prévu. Pour Tchernobyl, parce que c'est pas si cher que ça. Le problème, c'est que pour le même prix, on peut faire 3 ou 4 lieux vachement plus cool que Tchernobyl. Parce que le problème de Tchernobyl, c'est que c'est pas si ouf que ça. C'est ouf dans l'inconscient. Quoi ? Et plus libre. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, le problème de. Comment ça s'appelle ? De Tchernobyl, c'est. Oui, on ira. On peut y aller facilement, hein, c'est pas cher. Il y a des gens. Bibix y est allé, il y a d'autres gens qui sont allés. Mais une fois sur place, c'est un parcours, quoi. C'est un parcours touristique. Donc, tout le monde a fait le même. Si vous regardez une vidéo sur Tchernobyl, on fera la même. Hein. On pourra pas faire des trucs de ouf. On pourra peut-être aller dans un bâtiment et faire semblant qu'il y a un truc. Mais on peut pas amener des objets. Donc, on peut pas faire grand chose, en fait. Ouais. Après Pripyat, voilà. Bah, tu vois, Debnet est allé après Pripyat. Debnet, je pense que tu le sais aussi. C'est cool à visiter. Mais pour faire une vidéo, c'est pas foufou, quoi. Oui, c'est le cowboy de Tchernobyl. C'est comme dans Stalker, il y a des fantômes et tout. Ouais. Ouais, Gustix m'a pas répondu malheureusement, effectivement. Du coup, tu vas faire la diffusion publique avant le release officiel. La diffusion publique sera entre la release officielle et la... Comment ça s'appelle? Mais ça sera avant la release officielle, effectivement. Parce qu'en gros, ça sera diffusé quelques jours avant la diffusion. En gros, le moins 2, vous savez que en gros, vous avez un mois avant la première version. Cette version-là, ça sera un mois avant. Et du coup, deux jours avant la vraie diffusion, ça sera le moment où il y aura la soirée.
le diffuserai vraiment 2 jours après. Donc de toute façon, la plupart des subscribers ont droit à ça. Parce que c'est 5€ pour l'avoir. Des fantômes dans Stalker. Oui, il y a des fantômes. Enfin, des anomalies. Mais... Ouais. Non, mais je parle pas vraiment des anomalies, mais des fois, les voix qu'on entend un peu. Le principe des cassettes mystérieuses, c'est projet fantôme mélangé à un ARG. Voilà. Tu peux pas faire grand chose, c'est un chemin tout tracé, et tu n'as pas le droit de toucher, tu n'as le droit de toucher à rien, mais la marche du souvenir près de la centrale et la construction du deuxième sarcophage est vraiment impressionnant. Ça, je suis totalement d'accord. Le côté touristique, je ne le renie pas. C'est juste que bah, c'est comme quand. On a été dans des lieux pour le Seuil de l'étrange, ils sont trop bien. Pour un tournage, mais pas pour genre les cassettes mises à l'os, ce serait nul. Ta murder party, c'est bien la fameuse orgie annuelle déguisée. Oui. Et donc pour la murder party, je vous tiendrai bientôt plus au courant parce que là, je vais quand même un peu plus organiser ça, mais vous n'aurez pas, enfin ça sera pas sur Ulule normalement, ça sera vraiment sur un truc de billetterie comme ça, il n'y aura pas à soucier de est-ce que Ulule accepte le fait qu'on fasse pas machin, c'est pas un Ulule, c'est un événement, vous payez pour aller à l'événement, point. Et voilà. C'est mieux comme ça, je pense. Oui bien d'accord, vous n'avez pas dû tourner là-bas, vous n'avez pas pu tourner là-bas, c'est trop bien, ouais, c'est ça. Dommage. Et ouais, des anomalies tout à fait. À quand un sub, comment ça s'appelle? C'est vrai. Une compile de tous les comment ça s'appelle que j'ai dit. Voilà. Du coup, on se revoit pas avant la fin de la semaine. Et je sais pas comment ça s'appellera. Enfin, je sais pas ce que ça sera comme live. Du coup, j'ai dit n'importe quoi. En fait, le château de Noisy pour le Fantôme 2 a presque été entièrement détruit. Ouais, j'ai vu la photo. On en a parlé en live l'autre fois, mais ben ouais, c'est dommage. Mais bon, moi j'ai fait un projet Fantôme 2, donc tout va bien. C'était cool. Et puis on a d'autres lieux qui sont très très cool, vous inquiétez pas. The Witcher 3 est un mauvais jeu. Non. La Murder Party se passera certainement en Champagne-Ardennes. Mais on n'a pas encore de confirmation. Après, c'est certain que ça se passera là-bas. Et on fera des navettes entre la gare, Reims et Charleville. Donc vous pourrez, de toute façon, si vous venez en train ou en covoite, c'est pas grave, dans le sens qu'on pourra vous amener sur le lieu de tournage et vous ramener après à l'endroit de la gare ou du covoit qui vous intéresse dans le coin, donc voilà. Il faut faire la tradition de live, donc montrer vos tétons. Ouais, non. What? Une soirée dans la mine. C'est quoi? Dis, je peux te parler sur la tellement ça. Tellement ça, mais modesto. C'est Lenzo qui dit les jeux personnels sont les pires JRPG. T'as les pires quoi. Ouais, mais c'est un premier non sub, donc bon. Ah, c'est pour ça. Voilà. Voilà. Il y aura des inscriptions pour la Murder Party. Alors en gros, pour la Murder Party, je vous l'annoncerai la date d'un live où j'ouvrirai les inscriptions. Et en gros, comment ça s'appelle? Pendant le live, je l'ouvrirai, je vous donnerai le lien et il y aura X places. Pour l'instant, je ne sais pas, mais c'est à peu près 50 places, je pense. Peut-être moins, on verra. Et le prix sera en fonction du budget. Voilà. En gros, moi, mon but, c'est de diminuer le plus possible le budget pour pas que les places soient trop chères. Mais clairement, les places seront chères. Je peux pas vous faire. Enfin, ça sera 50€, c'est sûr. Ça sera peut-être même plus si jamais on trouve pas le lieu. Parce que moi, j'ai trouvé un lieu qui est pas cher. Là, il y a, je crois que c'était 14 qui a proposé de m'aider à trouver un lieu aussi, c'est cool. Si on peut baisser ce prix-là et gagner de l'argent, machin, ailleurs, bah, le prix des places baissera. Mais si on trouve pas, bah, ça veut dire que le prix augmentera à cause de ça. Donc voilà. Mais je précise que ça sera 100% le budget. Et nous aussi, on mettra de l'argent dedans, bien évidemment. Donc voilà. Et si on te paye en nature? Eh bien, c'est ce que fait Jax. Hein? Et ouais. Oh non. J'ai même pas 15 centimes pour m'acheter un carambar, je suppose que voilà. Eh oui, malheureusement, c'est con. C'est comme ça, on est obligé de faire un... Enfin, si on met pas de prix, en fait, les gens vont... Comment ça s'appelle? Ouais, ils vont dire, ah, je viens, et voilà. Ils viennent pas. Et c'est ça, donc... Alors 50€... Et nous, le problème, c'est que ça coûte trop cher à organiser, comme ça. Parce que, là, on en parlait, mais pour vous donner une idée, on va être obligé de louer un... Comment ça s'appelle? Pas un camion frigorifique, mais bref, remorque. Une remorque frigorifique pour avoir la bouffe, des trucs comme ça, prévoir une sécurité, prévoir des gens qui puissent intervenir en cas de soucis de santé, des trucs comme ça, donc voilà. Je précise que si vous voulez réserver votre... déjà à l'avance, votre... comment ça s'appelle
votre week-end, c'est le week-end du 27 et 28 août. Octobre. 27 et 28 octobre. J'imagine le mec qui réserve son week-end et il n'arrive pas à avoir une place au Hull parce que ça part trop vite. Bah, clairement... clairement, c'est quoi une murder party? Alors, une murder party, c'est... Vous voyez ça comme un jeu de rôle grandeur nature un petit peu. En fait, il y a une enquête à faire dans un lieu, mais une enquête à faire IRL. J'entends, il faut vraiment chercher, parler avec des gens, etc. Hein. Donc, si vous êtes asocial et que vous n'aimez pas le contact des gens, ne venez pas. Je vous le dis parce que c'est quelque chose qui vous... Enfin, je connais des gens qui ont déjà essayé et qui n'aiment pas ça. Et en fait, bah, ils n'aiment vraiment pas parce que du coup, vous avez passé un mauvais moment, hein, je vous le dis. C'est pareil, si vous n'aimez J'aime pas. Si vous aimez pas ce côté-là, voilà. Maintenant, pour les places, je pense que si vous venez, etc., enfin, il n'y a pas de problème. Après, comme j'ai dit, il y aura une liste d'attente aussi. Donc, il n'y a pas de souci, voilà. Il y aura une liste d'attente et il y aura aussi des PNJ. Donc, les PNJ, après, ça ne sera pas les mêmes règles pour les joueurs. Ça ne sera pas le même prix non plus, ça sera moins cher. Mais voilà. Et pour les PNJ par contre c'est plus contraignant. En gros les joueurs vont jouer 100%, alors que les PNJ, en gros il y a des moments où on leur dira fais ça, et du coup ça gâchera un petit peu l'événement, dans le sens que moi je suis obligé de, je suis le portier qui ouvre la porte à tout le monde, donc je suis obligé de faire ça jusqu'à ce que tout le monde soit rentré, par exemple. Mais ça veut pas dire que vous ne jouerez pas pour autant, vous aurez quand même des trucs à faire, des trucs... La merde, quoi. Mais vous pouvez pas faire l'enquête à 100%, c'est clair. Voilà. Autre truc, un truc qui est super important, c'est que la soirée sera déguisée. Donc vous devrez venir déguisé avec un costume que je devrais valider. Je ne demande pas non plus un costume de ouf, je précise. Tout ce que je veux, c'est que le costume ne soit pas trop over-sexuel ou trop léger, on va dire, niveau vêtements. Et simplement, ça ne se voit pas non plus tout pourri. Après, s'il y a une idée derrière, par exemple, je dis n'importe quoi, mais vous venez en comptable, oui, ça me va, j'ai pas de problème avec ça. J'ai le problème, Dieu, il y a 15 comptables. Ça posera un problème, voilà. Ça sera dans le nord de la France, tout à fait. Je peux pas faire autrement. Par contre, si ça se passe bien, il est possible qu'on en fasse plusieurs par an et que à chaque fois on fasse un lieu différent. J'ai des contacts dans le sud, j'ai des contacts dans l'est, j'ai des contacts dans l'ouest, donc on peut le faire un peu partout en France. Si ça se passe, c'est un test en fait. Si ça se passe très bien, je pense en faire assez régulièrement. Voilà, tous les 4 ou 6 mois. Voilà. Je vais venir en caleçon ou déguisé en clodo, t'es pas drôle. En clodo, ça va. Je l'ai fait une fois. Bah, Eric, j'avoue qu'il vient au tournage, apparemment, c'est ce qu'il fait, donc... Oh non. Et un déguisement de comptable avec des gros hivers. Tout à fait. Au centre, par contre, oui, l'Auvergne, c'est un peu chaud, quand même. Mais pourquoi pas. Donc voilà, donc ça peut être très très cool. 100% que quelqu'un va en cosplay Eric, Bidule, Tortue 3. Après, n'oubliez pas que vous dormez sur place. Hein, donc, Nico, une petite IRL au Texas, mais oui. Ouais. Il y a un thème pour le déguisement, non, c'est juste que ça sera Halloween, donc forcément... Ça finit quand, en fait? En gros, ça commencerait en début d'après-midi, alors en vrai, ça dépend des réservations des gens, parce que bah, moi, je vais faire le plus arrangeant pour tout le monde. Il est sûr que si je dis 14h et qu'il y a quelqu'un qui me fait « Bah mec, moi, je pars du sud-est de la France et je dois venir, donc bah, il me faut, je sais pas, 8h, machin bah, », vous pouvez venir la veille. Vous voyez, vous pouvez venir le vendredi soir, on s'arrangera pour que vous puissiez être sur place, etc. Enfin, on s'arrangera. Il y a moyen de s'arranger. Si tout le monde le fait, ça va être un peu galère. Mais bon, on s'arrangera. Après, surtout pour partir, dans l'idéal, ça serait du 14h jusqu'au lendemain 14h, avec un débordement jusqu'à 16h. C'est-à-dire qu'en gros, ça permet de rentrer tranquillement, etc. Et voilà. Donc ça fait 24h d'événement. Et du coup, il y aura la nuit compris dedans. Vous dormez sur place. Hein. Vous dormez sur place, ouais. Si on vient de Belgique, bah, c'est super facile de venir de Belgique, ça va. Ouais, avec Monara, il le fait. Hein. Je vais vérifier. Ah merde, trop drôle. Trop bien, vite. Mais ouais, c'est toi, elle est trop bien celle-là. Et non, tu n'es pas relou. De 14h à 14h, ouais. Jax, il a les yeux qui s'enfoncent de plus en plus profondément dans ses orbites. Ouais. J'ai dormi que 4 heures, hein, cette nuit. Il ment. Moi, je me suis réveillé, il dormait. Genre, mec, ça... Je suis allé me coucher, il dormait. Ça va, c'est sûr. Je t'ai couché, c'était 6 heures, tu parlais encore. Ouais.
Du coup, toi, tu sais à quelle heure vous êtes couché? Parce qu'elles ont pas su me dire. 7h, au moins. Ouais. Et moi, peut-être un peu plus tard, parce que j'ai vraiment eu du mal à m'endormir. Ouais. Mais bon. Pourtant, il me semble que j'ai vu la porte fermée. Avec Minra, c'est un Ardennais, on peut pas comparer. C'est vrai. Enfin, mais la Belgique, ça va, c'est quand même plus proche que le sud. Sauf si tu habites tout au nord de la Belgique, mais bon. Ouais, j'ai hâte de tout ça, moi aussi. Franchement, ça va être cool. Et bah voilà, bah en tout cas je vous tiendrai au courant de ça, c'est pas tout de suite non plus, hein. En attendant il y aura des live draw, il y aura des trucs, il y aura plein de trucs, voilà. Sur ce, tu es bourguignon donc, bah c'est un peu loin mais ça va, c'est faisable. On a croisé un fan qui me connaît. Oui c'est vrai, on a croisé un fan... qui regarde les rediffs. D'ailleurs si tu regardes les rediffs, personne salut. T'a croisé à la gare, coucou. Et il a pas pensé à nous dire son... mais si on regarde les rediffs, on peut pas savoir son pseudo. C'est vrai. Moi j'habite sur Mars, comment je fais pour venir? Bah, faut que tu partes maintenant. Faire des comptes tous ensemble, ça va être cool. Ça sera filmé ou en live, Moskim? Alors, ça va être très compliqué. Chiant. En gros, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais poser une caméra qui filmera en mode de timelapse à un endroit, l'endroit où on sera le plus souvent, pour le côté fun d'avoir un timelapse de l'événement. Mais c'est tout. Je pense pas qu'on puisse faire. T'imagines 24 heures. Tu calcules, dire bon, il faut que je mette une caméra là, une là pour bien voir tout le monde. Puis ça sera pas un tout petit huis clos, quoi. Enfin, c'est quand même, on est à peu près une centaine de personnes, donc on peut pas clore ça, quoi. Bonne nuit à ceux qui s'en vont. Tu prends à gauche, puis à droite, tu marches pendant 300 millions de kilomètres et c'est bon. À bientôt, bisous partout. Je vous laisse avec le générique de fin, qui est en fait le générique de début. Alors attendez avant de le mettre. Point pk. 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 Voilà. Oh. À toutes, bisous partout. Hey, toi, tu ne fais que passer sur cette terre, ici où le sable brûle sous le soleil, où les scorpions se faufilent dans tes bottes, où tes meilleurs amis sont un cheval et un colt. Allons, viens t'asseoir près du feu, prends un bol d'haricots rouges et écoute la fantastique épopée de Bidule, la femme au caillou qu'il l'appelait. Moi, je vais simplement te conter les aventures de Bidule. Bon bah Jax, techniquement ça fait 4 lives, donc alors attends... 754... De quoi tu parles, Maxime? Bah écoute, ça fera... Bah écoute, 3000 balles... Tu vas me donner 3000 balles? Ah non, non. Bah non, tu sais, t'es venu... Tu sais, c'est le service de location dont je parlais tout à l'heure. C'est quoi? Ça te coûte 3000 balles, bah t'es venu sur les lives, non? J'ai pas l'argent, Maxime. On peut pas s'arranger? Ouais, si, allez, mets-toi. Ah. Allez, viens. D'accord, je me baisse. Allez. Allez. Et voilà.